parole@palais.com. Dit tout le monde bonsoir puis information nous va gagner pour développer pour après-midi à dans journal ça toujours pas gain aucune information sur dans qui point dossier premier ministre non mais rien et qui la paraître devant parlement pour faire déclaration politique générale jusqu'à présent et pratiquement une semaine après nomination et presque une semaine. Et puis, dans le dossier insécurité dans Cité Soleil, deuxième initiative, député Cité Soleil là, Pierre Lemaire, qui est élu en Babanière, Rémi Haïti, mais qui sont proches du pouvoir. Écoutez, il dénonçait dans l'occasion ça, de anciens politiciens dans Cité A, avec l'autre qui candidat pour l'élection qui prend le fait, qui t'a derrière manœuvre, il a fait dans Cité A, qui la cause insécurité, retourner à exact violence, d'après ça, il dit. Et puis, il y a une délégation qui était sortie dans Cité Soleil, qui était présent et qui saluait le travail député a fait. Cependant, il y a l'autre voix qui levait, par exemple, il y a plusieurs centaines de monde dans du Vivier et dans la zone les Pois Congo, Ténois, avec diverses autres localités qui manifestaient jeudi et jeudi dans la zone pleine nord, côté sécurité, avec présence une série de gangs à exam dans plusieurs côtés. Dans la commune Cité Soleil, festant yo, yo dénoncé député Cité Soleil là Pierre Lemaire et yo dit qu'il c'est partisan pouvoir en place non, yo accusé d'après avoir la simaye zam dans toute plaine non, bay jeune yo pour empêcher mouvement opposition prend dans zone non. D'après ça manifestant yo fait connait yo dit yo pas besoin zam et yo fait déclaration ça pendant manifestation yo t'ai organisé jeudi. Et puis, directrice générale INFPA, Madame Maggie Diossé, passée à l'attaque contre moun nan secteur qui pote plainte contre li devant la justice, donc conférence pour la presse. Madame Diossé qui pas content du tout, la façon dossier ça passé dans la presse, et li dénonce tout. Jean-Marie Léveillé, li fait connaître qui gon mandat d'amener contre li pour la répondre question crasée brisée li fait en dedans institution. Li mette accent sur beau travail li a fait dans tête INFP. Conférence pour la presse, li baye dans nouveau local INFP gagnant dans Pétionville. Organisation politique ak syndical yo qui regroupé dans sa les combit était organisé, j'ai été annoncé déjà dans média yo. Jodi on sitine devant ministère économie et finance pour dénoncer mauvaise gestion équipe en place non dans tête paysan et puis qui baye comme résultat Jounen jodi a et tout moun ap monte machi fè pou jwenn gaz et la vi chè, mizè grand gou, chômage, sans compter blackout tout partout nan peyi a. Le coordonnateur national brigade syndicale anticorruption, Sonson Dumé, qui te présent tout ansan ak porte-parole mo pod lan, Serge Jean-Louis te une pote kole ak initiative sa, Josué Mérilien ak équipe li te prend pour te casser rendez-vous sa jodi a. Devant et ministère ça. Dans actualité internationale là, président Duracell yo gen deux qui tombé c'est comme ça relé yo et deux qui fait tomber là tous les deux sur continent africain, Abdelaziz Bouteflika après 20 ans et puis président soudanais et qui tombé hier lui même c'est 30 ans, il passé sous pouvoir et Ben Salah jodi a fait face à première gros manifestation côté peuple algérien en fait connait yo pas craser quitter ça yo dit faut que monsieur aller et c'est tout système nan pour aller avec même bagaille tout concernant Omar El Béchir qui se fait 30 ans dans tête pays Soudan l'armée a démenti qu'elle fait un coup d'état mais cependant son conseil militaire qui pral gérer transition l'armée a pour défendre tête li jodi a déclaré il a fait élection pour remettre pouvoir bail civil bon son musique que tout monde connaît déjà et puis faut que nous dit tous les deux pays ça deux pays musulmans après journée prière et bien une manifestation qui après poursuivre toujours et dans pays Soudan même Jacques dans pays Algérie Ukraine deux candidats pour place président dans deuxième tour élection qui pral fait là dedans un novice qui sont comédiens qui rivaient devant président qui sous pouvoir un véritable saisissement. Yo tous les deux Teron président français a visite jodi a et yo gagne tout pour y aller en Allemagne.
l'autre point dans actualité locale là n'a gagne pour nous plusieurs l'autre point même Jean tout actant actualité internationale là c'est information ça a campi l'autre va gagne pour nous développer pour après-midi à dans journal ça journal 4A c'est Unibank qui pote pour nous Unibank banque 5 étoiles là c'est meilleure banque pour déposer l'argent. Dans l'actualité politique, là, toujours pas aucun élément nouveau dans ce qui concerne les démarches pour déclaration politique générale. Nouveau Premier ministre, président choisi à Jean-Michel Lapin, et puis sous cabinet ministériel. Li. Puisque c'est une spécificité Jovenel Moïse, pratiquement il y a 2 ans depuis arrivé sous pouvoir, il pratiquement dans ossature, il n'a pas changé le gouvernement. Il passait déjà 2 premiers ministres, nous capables de dire, en grande partie avec le même gouvernement. À part quelques rares changements, mais nous capables de dire généralement, le gouvernement était là. C'est vrai, il y a 2-3 têtes qui allaient, mais gardez bien après. Et ces affaires prennent, qui ça peut changer? Est-ce que c'est le gouvernement ou bien est-ce que c'est le premier ministre? Il a changé. Et donc, nous n'avons pas fait écho de tout exercice sportif que nous avons en pile, frère d'action, nous remet en pile. Et surtout les week-ends, ça permet de combler un paquet de temps vide et en pile activité à fait sur les réseaux sociaux. Yo, mettez dans le monde, allez pour venir, et etc. T'as coup dans le week-end passé, t'as gagné en pile activité parce que t'as gagné 3 dans le monde, t'as lagué pratiquement pâture. Et côté que chaque monde a baillé opinion, tout d'un coup, depuis non, mais puis t'as allé dossier, bon, nous, comme ça, nous-mêmes, nous pas fait métier comme ça. Et nous suivons, c'est normal pour nous suivre de très près, pour nous informer. Même là, nous connaissons qui ça peut le passer. Nous pas dupes non plus. L'autre point d'actualité, c'est la question de sécurité. Nous connaissons qui, je ne veux dire, la laïté dans le pays. D'ailleurs, ce n'est pas seulement en allant dans 5 départements dans la direction sud et qui bloquaient ça qu'a fait dans Matissan. Désormais, nous connaissons une zone non livrée à partir de toute activité qui a fait dans la Tibonine et qui est capable de bloquer même Jean tout et toute activité et socio-économique culturelle dans toute région ça yo et même déjà dès qu'on conflitait dans zone mon oui t'es empêché circulation faite sur route nationale numéro 2 nous avons besoin de connait là la police échoué et les autorités ont montré à clair c'est pas une priorité pour traiter. Il y a un aspect très détestable dans la question de sécurité, hein? Côté de gangs qui chargent avec armes à laïté dans tout le pays. Représentant circonscription Cité Soleil dans la Chambre députée, hein? Député Pierre Lemaire, organisé une autre rencontre jeudi avec divers leaders communautaires dans Cité Soleil sous affaire violence qui recommence dans Cité après 3 ans côté violence dans campé. Député Le Maire fait connaître série rencontre ça il organisé n'a cité l'entrée dans 4G fois Lydie l'a fait pour permettre la paix retourner dans commune Cité Soleil. Selon député a gain en pile ancien autorité ak l'autre monde qui voulait pour candidat qui impliqué d'après ça dit dans insécurité d'après accusation qui t'a impliqué dans cette insécurité qui retourner encore dans Cité Soleil pendant dernier jour ça yo. Député a fait connaître moun sa yo li accusé a travail et pour yo capable assassiner politiquement dans commune nan. Et député a dit gen divers secteurs dans Cité Soleil qui déterminent même gens avec autorité yo pour finir avec zak violence et puis permettre population ralon souffle pour reprendre activité sans problème. Député Pierre Le Maire qui est élu en bas bannière remet Haïti mais qui s'est un allié pouvoir faire partie de sa majorité présidentielle là annoncé gagne un gros marche pour la paix qui va le faire dans Cité Soleil dans jour qui va venir après toute rencontre la paix au fini n'attendait qui te parler comme ça dans micro Vilner Joseph député Pierre Le Maire. Qui est garder ensemble qui comme monde ça comme citoyen engagé qui est dans des organisations qui c'est des notables qui c'est des leaders comment on peut impliquer chaque jour plus dans bataille pour la paix retourner dans la communauté et
c'est même bataille sur quoi elle permet que le développement et durable qui fait dans la commune, le changement social. Et nous connaissons que la cité a grand pile pour le problème, parce que pour le problème ça résout, il faut toute petite cité, toute force vive cité, tout secteur, y arriver chita sur un tas ensemble, et puis pour parler de ensemble de problèmes comme ça fait face, et puis ensemble pour nous venir éléments de solution. Tant qu'autorité, c'est des voix et les bagarres à la mal pour nous chita avec tout secteur, garder qui ça va à la yé. N'a profité de moment ça pour nous dire, il y a un peu de bagarre qui caché derrière ça qui a développé dans la communauté sur elle. Et il y a des anciennes autorités, et il y a des anciens candidats, il y a des gens qui aspirent un candidat qui a mené l'ensemble sur des assassinats politiques et physiques contre les députés lui-même. Et je pense que je dis, ce n'est pas les députés lui-même qui sont victimes de gens de série de complots, mais c'est la communauté sur elle. Et nous avons constaté, depuis plus de 3 ans avec lui, nous comme député cité. Et nous avons développé comme rapport avec notre autorité locale. J'en ai fait le jeudi, c'est comme ça nous devons faire. Nous avons parlé avec toute force vive, tout groupe organisé pour te permettre que la cité ait la paix. Moi, je dis tout le monde, on bataille pour gagner la paix. Si son homme jeudi, pour gagner vérité pour député ou bien magistrat, c'est dans l'élection, c'est vendre vision politique, c'est développer le leadership. C'est ça qui a développé le pas bon pour la population. Et là, nous continuons là-dedans, les ça nous est difficile pour nous préparer des métiers. Parce que jeudi, nous parler, c'est Timoun qui a venu nous quitter la cité soleil en forme. On se soleil qui gagne la paix, on se soleil côté la vie reprend pour tout le monde. Nous sommes nos tapes dans la commune. Nous avons représenté toute zone dans la commune qui est présent avec nous matin. Et dans la rencontre, ça, il est sorti sous une commission. Et la commission, ça, lundi, nous avons rencontré avec représentants de tout secteur et dans le Parlement pour nous arriver déboucher sur le résultat final là et pour nous jeter toutes les propositions et puis pour nous développer, pour nous faire une marche pacifique dans la cité, une marche pour nous demander la paix. Après, pour nous faire des conférences de presse ensemble des secteurs, ça vous fait pour forcer l'État haïtien et pas une réponse avec un ensemble de problèmes comme une cité solaire fait pas. Là, nous connaissons l'école nationale la crasé depuis 12 janvier 2010 et en y a pas jamais fait. Là, nous connaissons place fierté qui mérite habiter ensemble de formes vertes avec magistrat, l'agence aéroport qui a débloqué, route dans la première et deuxième section, nous avons géré mes barrières faites et fontaines, ensemble de problèmes comme ils ont fait face. Donc, dans mon projet de Branef, c'était les miens depuis la pluie tombée au paradis. Mais je pense que c'est au moment où jamais pour toute famille, on met tête ensemble et puis comme c'est l'homme et pour tes revendications, nous-mêmes, autorités, n'avons pas compagnie. Voilà, c'est député Cité Soleil, la Pierre Le Maire, dans le micro, Vinel Joseph, Kemson Pierre et Elie Destiné. Tu fait partie de délégation ça qui est sorti dans Cité Soleil qui devine participer dans la rencontre dans le Parlement. Je te prends la parole en tant que représentant leader communautaire et dans Cité A. Je dis salut la décision député Pierre Le Maire prend pour rencontrer le secteur d'une façon n'a cité pour la paix capable retourner dans Cité A. Je demande député A continuer travail avec divers acteurs n'a cité toujours pour la paix capable blaïe. Parce que vous rappelez, ça fait 3 ans depuis pas de violence dans Cité Soleil. Kemson Pierre et Elie Destiné, mandé tout citoyen dans la commune, mettez tête ensemble pour la paix tourner, une réalité pour tout le monde. N'attendez deux membres de délégation ça qui fait partie et de notables dans Cité Soleil, Kemson Pierre et Elie Destiné, qui te parlé comme ça dans le micro, Vinel Joseph. C'est avec une frustration pour les gens qui nous ont cité ça pendant 3 ans, qui ont vraiment la paix, qui peut être un exemple pour tout l'autre ghetto. Yo. Je dis à moi, on dit en tout coup, mais bagaille, ça a déclenché tout le monde, ça a fait plus. Mais on seul bagaille m'a dit, comme je vous fais partie de la commission qui a là, pour au moins chercher une solution pour la guerre, ça a topé. Mais m'a dit, nous-mêmes là, nous ne sommes ni en haut, nous ne sommes ni en bas. Nous tous ces mondes cité soleil, nous tous voulons la paix, c'est la paix à nous besoin. Et me garantis tout. Un jour qu'on vient là, la paix obligée de faire. Parce que c'est ça toute population qui est sur la donne. Depuis que tu as une stratégie d'employer pendant 3 ans ça pour la paix, eh bien, maintenant, dès le début, il faut qu'ils utilisent la même force et même plus pour que la paix qu'on a nous rejoigne encore. Et c'est ça que je vais demander, si je parle de Rafad, qui est l'organisation par nous. C'est ce que nous comptons aujourd'hui, c'est une bonne initiative que député Le Maire prend. On y crée autour d'une table pour nous capables de discuter de cause de Cité Soleil. Et ça fait plaisir à pile. Et nous sentons moins contents tout. Et peuple a content. Et c'est une bagarre qui peut faire peuple a content. Là, il joue une provision, ça a sorti. Côté la peur pour aller venir. C'est la paix nous besoin. Nous pas besoin de la peur. La peur, la pluie a tombé peut-être pour nous, dans le pilon, dans l'abdomen. Mais nous connaissons avec député Le Maire, qui c'est un poteau garçon qui est capable.
capable de conseiller des travail dans la cité. Et bien, non, organisation MORES et organisation MOC Haïti, nous disons, député, merci d'avance pour le bon travail que vous pouvez faire pour nous. Les n'a pas dormi et les n'a pas marché pour nous capable de marcher en paix dans la cité pour tout le travail que vous pouvez faire. C'était deux membres de délégation qui étaient venus dans le Parlement dans la rencontre. Ça, Kemson Pierre et Elie Destiné rencontre député Cité Soleil a été organisé sous acte violence qui recommençait après 3 ans côté pas de gain Zak Sao dans Cité Soleil. Député Pierre Lemaire qui fait partie de sa majorité présidentielle. Là. Et même pendant ce temps, il faut que nous disions c'est pas tout le monde, même Jacques de M. Sao, qui est député à Kyo Bongé. Il y a plusieurs centaines de monde dans du vivier. Dans la zone de les Pois Congo, Terre Noire, avec diverses localités qui manifestaient jeudi, dans toute pleine nan, contre l'insécurité qui blaye, avec un série de gangs qui achetaient zone nan, l'argent comptant. Et d'après ça, ils ont dénoncé. Cité Soleil, et côté manifestants, ils ont longé droite sous député circonscription, Pierre Lemaire, ils ont accusé, ils ont dit, député Sakeli Abanier, le maire Haïti, mais qui a supporté le pouvoir et tête caléa, il a accusé d'après avoir la simaye zam by plusieurs jeunes garçons pour empêcher le mouvement opposition laïté dans la zone de la plaine. Alors, le député a accusé lui-même d'ancien autorité avec des monde qui ont intention pour le candidat dans l'élection qui a pour faire ce que des violences là. Eh bien, a osé, mais a attaqué le député. Il a dit député en tant que partisan pouvoir. C'est lui-même qui a sima et zam dans toute pleine nan et pour empêcher mouvement opposition campé. Manifestant ça yo, fait qu'on est zam, il a fait tout ça yo qu'on est et pour faire des voix yo, n'a pas tendu quelques nan yo qui t'ai parlé comme ça dans le micro Amos Breville. C'est si lui, bandit ça, qui dit c'est eux-mêmes, les députés, les mecs qui mettent la boîte chez moi. Alors, il y a quand même machine, les gens qui sont la blague, depuis c'est la blague, nous sommes petits, regardez les mains, et les mecs vont pouvoir bloquer la machine. Nous avons demandé un jugement, nous n'avons pas besoin de les mains, pas besoin de bandit. Nous avons un garçon professionnel à 9h du soir, nous pas chercher la caméra, nous avons couru mal tomber dans le goal. Nous avons les mains, nous avons les mecs à eux. Nous avons pas nous dominer, nous promesse, les marchés, nous pas le faire. Nous ne pouvons pas nous donner, nous ne pouvons pas nous dire que nous avons dit 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 que nous avons que tu viens tirer jour lundi devant la caille moi deux nèg sur moto tu me combé kiki et en accompagnant plus l'autre bandit yo dit c'est député le mec qui mettait là pour tuer monde dans plein là et vous réseau ça fait tout population zone martiale zone du vivier terre noir pas Congo nous toutes mettre ensemble nous dit nous pas tolérer ba bandit nous pas blé zam nous blé éducation nous blé social le commune nous pas blé zam encore normal député le mec nous pas blé zam de lui blé mais c'est lui-même qui dit, c'est vous-même qui dit ça, même vous vous tuez. Si lui, qu'on liste la main, liste, il va se détruire des mouns pour tuer dans le plan. Il commence à tuer là-dedans déjà. Depuis janvier, c'est petit plan pour les mouns. Je dis nous là, oui, parce que y a un problème qui a traversé dans le plan. Côté bandit envahi plein nord, il y a un pire sac et sécurité dans le plan. Et je dis, la population prend la rue pendant plusieurs jours là pour que vous-même vous traquez. Mais l'un constaté, l'assemblée, c'est une stratégie que pour en place à gagner de manière à ce que lui-même et pour que lui empêche bataille opposition en fait. Ça que je veux dire, nous-mêmes nous prenons la rue en grand nombre là et pour que nous menions bataille là pour nous démanteler plan ça pour en place à gagner. Bon, nous constatons plan ça parce que déjà lui dans Jean Bosco. Je veux dire, nous avons réuni Jean Bosco. En même temps, tout nous avons réuni sur lui aujourd'hui. Nous mettons vague et sécurité dans tout pays et nous faisons constater tout même gens. Nous avons la timonie de Voyanel à tirer balle la timonie avec toute autorité. Nous faisons comprendre que sachez la cache pour ne pas vrai du tout. C'est stratégie gouvernement en place là qui fait qu'il y a un l'autre bord. C'est pour les gens. Vendre depuis que tu as tiré, ou en pile difficulté ou même pour arriver réunir, mais sans ça, il est obligé de créer une situation de la trouble. Basé avec la plaine, il y a une égovina qui est en pile monde en pleine. Donc, population, je dis, elle est révoltée, elle dit non, c'est trop bâton, elle dit, c'est débuter les mecs à supporter les ça. Population, elle même déterminée, je dis, il faut qu'il soit capable, de jouer nos fins avec mon ça. Voilà, c'est manifestation ça qui fait jeudi dans la zone du Vivier, Pois Congo, Terre Noire, diverses localités. Et qui principal mon yo t'a accusé c'est député Cité Soleil là et bon nous connaissons notre pays c'est tout le monde fort dans l'accusation et autorité autour frère même Jean par exemple député à l'accusé ancien autorité et puis mon édic pour le candidat
Est-ce que son bataille politique pour éliminer des adversaires ou bien est-ce qu'elle a des dossiers solides d'amène s'il gagne en tant que élu dans cité a pour qu'il sale pas faire dossier ça aller devant la justice et mon notou qui accusé est-ce que il y a des accusations mais lui-même il a plus responsabilité que ce citoyen en tant que un élu qui a fait accusation dossier n'a suivre de très près. Non, actualité internationale là, évidemment, on a pris direction continent africain et on a prêté dans Khartoum, capitale pays Soudan. Un jour après l'armée fait d'appuyant, li bay un coup d'état après un mouvement populaire qui levé depuis dans mois décembre mais pendant 5 derniers jours ça yo qui joine bout un dictateur et le dictateur président Duracell tellement duré sous pouvoir et Omar El Béchir. Ben la mère a tout la PC de fond image li une jodi a li déclarer pas faire coup d'état c'est peuple là vient rider un jour après au film mettait Omar El Béchir un dictateur qui l'a depuis 30 ans dans tête pays dans pays Soudan et qui gagne un mandat international contre lui pour crime contre l'humanité pour crime génocide eh bien et monsieur la mère a dit yo pas pour remettre li bay pays étranger. Donc militaire qui sous pouvoir démenti jeudi à que son coup d'état yo fait et yo fait plusieurs déclarations pour essayer bay communauté internationale assurance yo pas faire coup d'état ensemble tout yo fait même démarche dans tout beaucoup de population pour essayer faire peuple en croire que c'est pas coup d'état yo fait mais c'est pour peuple y a travail et d'après ça yo fait connait parce que peuple a mandé pour remettre pouvoir yo confisquer qui pas pour yo et peuple pas occupé yo. Malgré le décret de couvre-feu, mon ne viole couvre-feu, il a continué faire et continue manifester dans la rue par un côté pour piquer zépin. Télévision l'État a annoncé déjà la nuit dans un discours et Awad Ibn Ouf pour le faire en tant que chef conseil militaire à Soer encore sous qui j'en transition pour le faire. Depuis hier c'est dans même pays aïe. World conseil militaire d'après ça le dit, c'est protéger sécurité et stabilité pays a. Et dans le même moment, général Omar Zine El Abidine, qui est membre du conseil militaire, qui a parlé devant diplomate arabe et africain, et fait connaître, c'est pas un coup d'état militaire nous fait, mais c'est une position nous prenons en faveur du peuple, d'après ça le déclaré. Et nous avons ouvert un dialogue avec tout parti politique pour nous capables d'analyser ensemble avec eux comment pour gérer Soudan, et après tout, un gouvernement lié civil qui a pladen. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire qu'une intervention dans qui j'ai monté le gouvernement, d'après sa général, la baille comme garantie. Et la baille, bon, j'ai assurance, d'après ça, elle dit encore devant les diplomates, j'ai que chef militaire a fait ça avant, plusieurs ans. Et yo, en plus de ça, affirmé, il fait qu'on est président, il a arrêté, il a dit qu'il est en sécurité côté au Kembella, mais il a tout dit, il n'a pas livré le bail CPI. Et alors que il y a deux mandats internationaux, coup pénal international contre lui pour ça qui passé Darfour là. Après plusieurs semaines de manifestation contre la vie chère, augmentation prix pain gouvernement a décidé multiplier par 3. Depuis dans ça on fait son jambe bagaille pas voir ici dans mois de juillet, peuple a pris la rue et depuis dans ça il pas jamais entré. Et Omar El Béchir qui t'a dirigé pays ça a qui on m'en fait charger accent. Depuis coup d'état il était fait en 1989 là, eh bien, il prend un coup d'état tout côté au capotel. La mère de façon opportuniste prend ou libre sous peuple là et mettait monsieur à terre et la mère mettait sous pied un conseil de transition militaire, il a déjà dit qu'il a pour 2 ans. Mais population dit pas d'accord avec transition ça et continue à manifester jeudi dans pays Soudan même genre avec pays Algérie qui sont pays musulmans après grand prière qui fait dans mosquée. Toute qualité monde dans la rue encore et ça fait 6e nuit une des l'autre yo monté tantôt devant quartier général la mer malgré couvre-feu la mettait imposé pour un mois yo pas respecté mais dans nuit là pas de aucun désordre devant conseil sécurité des Nations Unies ambassadeur Soudan dans l'ONU Yassir Abdel Salam et essayer tout pour la communauté internationale la bonne garantie conseil militaire. Et il dit a contenté seulement pour la commission garant pour gouvernement civil là d'après ça ambassadeur gouvernement qui tombé a dit probablement déjà ambassadeur militaire yo. Et en plus de ça il fait connaître période transition yo capable réduire
li ki doit pas obligé de durer 2 ans selon développement qu'al gen sous terrain hein? Et puis ak accord y a joine à tout secteur qui concerné. Nous occasion grand rassemblement pour prier vendredi jeudi à pays musulman dans tout pays musulman vendredi c'est jour la prière et plusieurs milliers femmes yo souligné importance mesdames yo et bon, plus encore que dans pays Algérie dans quatre mouvements levé campé ça dans pays Soudan et mesdames yo avec monsieur yo qui était habillé en blanc et bien bon gros soleil yo était allé devant quartier général Lamia dans Khartoum selon témoin imam nan j'avais dit pasteur a paix a mon k'ap fè la prière imam yo relé yo dans religion musulman et il était développé col ak un drapeau pays a drapeau Soudan. C'est la première fois que me vini ici là, me répond appel, yo te fait pour me faire prier ici là. D'après ça Hussein Mohamed déclaré qui c'est un imam qui commençait entrer dans l'âge. Il sorti dans ville yo relé Omdurman et qui tout près Khartoum. Vraiment m'impressionné pour m'a regarder ça qu'a fait ici là. Toutes jeunes mesdames ça yo avec jeunes monsieur ça yo, d'après ça imam nan déclaré. C'est place nous et nous prendre pas grand quel monde qu'a retirer. Nous pas abandonner, nous pas faire bac jusqu'à ce que nous remporter la victoire. C'est ça imam nan déclaré. Nous violer couvre-feu hier soir. N'a continuer pour nous faire jusqu'à ce que c'est un gouvernement transition qui pour monter sous pouvoir, c'est ça bon côté parle Abdou Odeiba et qui sont manifestants déclaré devant quartier général Lamia. Et pour lui-même, le fait que Lamia a annoncé qu'il prend pouvoir voulait dire que ça nous t'ai fait un mouvement nous t'ai fait ni nul. Et c'est ça où l'autre Abdel déclaré. Donc nous perdu pouvoir que nous t'ai quoi, nous t'ai changé. Et le fait que militaire dit c'est eux qui a dit j'ai payé. Mais nous pas prêté parce que c'est révolution panne et nous mandé régime nan pour quitter pouvoir d'après ça le dit. Général Zine El Abidine affirmé journée jeudi a conseil militaire prêt pour mettre ak moun qui a fait protestation yo et pour chita parler avec yo pour tande yo et pour le travail avec yo ben dans la main pour yo capable jwenn solution et à tout problème Soudan a fait face. Voilà militaire prend pouvoir mais pouvoir chaud dans main yo yo a essayer faire communication et pour yo capable retirer pression sur yo. paulmapalais.com toujours sur Radio Kiskeya on suivre journal 4h et n'a pas salué toute internaute qui a recevoir sur www.radiokiskeya.com quel que l'on soit à côté oui tout ça tout qui a recevoir sur plateforme intelligent journal 4h n'a présenté depuis studio Bertrand Pierre Louis dans Port-au-Prince. Ben Salah fait face à première manifestation dans un pays Algérie. Je dis pas de côté pour piquer des peignes encore un cortège qui chargé ak moun toute qualité moun nan yon ambiance côté tension que par rapport à ambiance kermesse qui te gagne avant yo nan Alger capitale là ça fait 8e vendredi et Alger un pays musulman je dis à ces jours fériés et côté manifestants dans la rue première manifestation depuis date élection pour place président fixée pour date 4 juillet qui a venir là pour joindre un président qui est élu pour remplacer Abdelaziz Bouteflika. Manifestants yo voyez et président par intérim nan jeté comme chaque semaine défilé dans Alger capitale pays Algérie te déroulé globalement sans pas d'incident mais d'après l'incident tout pour la première fois mais on te senti te gon tension et qui débouchait sous affrontement avec la police qui la cause plusieurs monde blessés et un pile dégâts matériels valeur monde qui était dans la rue exactement les difficile pour tablier parce que ni autorité yo ni monde qui a manifesté yo yo pa bay chiffre mais nan commencement après-midi te gon foule moun par un côté piquer zépin au moins même valeur moun chaque vendredi avant yo et qui te paraît à quel content dans commencement manifestation nan mitan capitale là mais ça après bay t'a pral gâté yo pa aucun incident et nan reste pays d'après ça yo fait connait mais nan Alger te gen incident selon agence officielle APS et qui parlait de et manifestation ça dépend de zone yo et dans 42 sur 48 régions te gen moun dans la rue je dis pour dire pas d'accord pour régime nan rete sous pouvoir et puis en babanien l'armée parce que l'armée qui derrière régime nan yo parlé de cortège dans Alger particulièrement capitale là excusez-moi faut te sortir dans centre-ville là et puis te commencer faire la nuit
et tout le monde quoi chaque semaine des dispersés pour aller à la caillou, mais la police tirait plusieurs fois grenades lacrymogènes pour être capable gagner une centaine là-dedans monde qui a manifesté qui c'est des véritables taureaux grondés irréductibles. Après tu as plusieurs incidents pendant parcours manifestation gars au moins sur machine police yo boulé mais flamme du feu pas de prendre pile temps puisque commerçants ont été éteints du feu a gè plusieurs machines et pour faire rapporter ça qui subissent actes vandal selon images yo diffusé sur réseaux sociaux manifestants yo et gè la dedans levé campé yo dit silmia ça veut dire c'est manifestation pacifique n'a fait et c'est mot d'ordre contestation yo té levé campé contre monde qui était dans accrochage avec la police et puis quoi yo fait après chaque manifestation yo nettoyer l'arrière tout marcher avec sac poubelle yo ramasser tout ça qui tombait tout dégât qui fait et une fois affrontement était fini pour yo pas avoir trace manifestation et c'est pas manifestant yo qui t'a affronté la police c'est des monde qui t'est venu pour mettre des ordres c'est ça Mustapha qui sont avocat qui dans cinquantaine ni déclaré et ben nous senti la police là sous les nez nous senti une tension qui a monté et gain plus et nervosité dans l'air d'après ça fait connait et chaque fois gouvernement prend décision li aller plus dans sens pour mépriser nous-mêmes en tant que peuple et c'est des bagages qui capable faire nous-mêmes tout nèg nous capable monter nous mais faut que nous kembe tête nous frère pour nous toujours songer sur manifestation pacifique d'ap faire manifestation nous pas droit dans affrontement puisque dans le monde entier on j'ai fixé sur nous et on salue qualité manifestation n'a fait depuis 22 février d'après ça avocat a déclaré comportement la police non te paraît ni pas dans tolérance journée jeudi à contrairement à dernier jour et par rapport à rassemblement que t'as fait dans capitale là t'as des tensions depuis matin et ben monde pas découragé yo t'es venu et même qui vient avec timoun yo et en famille pour première fois depuis 8 semaines manifestation a fait dans capitale là policiers yo t'es prend en pile temps en veulent te quitter une série et manifestation t'es prend direction qui c'est quartier général côté toujours à rassembler et yo té essayé tout la police pour té faire plusieurs centaines de manifestants qui devine depuis grand matin dans zone là pour de chouquer yo faire sortir dans zone là gagne l'autre qui sorti dans l'autre ville province qui passait plusieurs heures temps sur route parce que la police mettait en pile barrage et gendarmerie t'a pas en pile problème sur route donc yo ouais que semblait papier changé dans bureau dans ça qui concerne désormais comportement la police non par rapport à manifestation pas oublier l'armée dit il pas accepté de déstabiliser pays hein et l'armée a frappé main sous table pour dire c'est équipe et ça qui doit faire transition il pas prendre dans aventure venir avec de institution juste pour transition tant qu'à assemblée constituante et peuple a dit non nous pas connait qui gens ça pral évoluer après dans date 2 avril peuple algérien dans manifestation pacifique fait ligne obligé bouger d'abord bloquer Abdelaziz Bouteflika pour pas candidat pour 5e mandat ensuite rivé jeune monsieur démissionner mais cependant gon coup le bayo il a pas de moyen pour éviter c'est Abdelkader Ben Salah un apparatchik 77 ans qui sont pur produit et de régime non qui là depuis 20 ans qui était sous pouvoir Ben Salah est désormais li, et c'est lui-même manifestant au visé et pas gen non Bouteflika encore puisque Bouteflika et c'était doublure officielle Bouteflika en tant que président Sénat et ni dans pays Algérie ni dans pays étranger. Et donc bataille là engagée quitte c'est dans pays Soudan, quitte c'est dans pays Algérie comment pour population débarrasser de système qui t'a tout pisé depuis 20 ans, depuis 30 ans, c'est gros question. N'a pas vini la caille pas nous. D'abord, pour nous souhaiter collaboratrice nous Kétia Jean-Pierre Taylor, joyeux anniversaire Kétia qui a célébré fête jeudi à bientôt, un gros samba national Franck Etienne qui a célébré fête jeudi à nous dit Franck, bonne fête. Tout profiter tout parce que tout le temps prend retard. Tout le temps gen problème dans affaire anniversaire ça. Et pour me saluer madame Bucette bien-aimée qui au moins gen 4 collaborateurs qui concernés et concernant en fait ça puisque c'est maman 3 dans collaborateurs nous et ici là
et Antoniel et ses maman Wilson et ses maman Valentin et ses madame Caporal. Donc nous dit non tout monsieur Sayo et Caporal Justin bien-aimé, madame Bisrette bien-aimé, joyeux anniversaire. Nous pour aller dans province direction Jacques Mel porte-parole police en sud-est là madame Monette Jean-Julien présenté journée jeudi à bilan opération la police menée dans sud-est pendant mois de basse là porte-parole là fait connait la police a arrêté 5 jeunes garçons qui t'a fait partie de un groupe gang et puis saisi 139 000 goud 3 téléphones portables une motocyclette 2 et laptop avec un festival il y a un festival donc on connaît chaque côté gagner je dis madame Jean-Julien mandé population continuer collaborer avec la police pour qu'a continuer mettre main sous bandit d'après ça dit jeudi bonose pour plus de détails. La police nationale a arrêté en fin de mars 2019 5 jeunes garçons sous accusation de faire partie d'un groupe gang qui localisé dans la zone site Boisbeuf, section communale Bacapouge, localité Ville-Jamel. En conférence pour la presse, porte-parole police nationale, c'est des monnettes. Jean-Julien fait connaître opération PNH. T'es venu suite à diverses plaintes de la recevoir bon côté divers citoyens qui vivent dans la zone avoisinante site là. Pendant l'opération, la police est arrivée 139 000 gouttes, 3 téléphones portables, une motocyclette, des ordinateurs portables à un festival. Selon porte-parole police nationale, Monette Jean-Julien, qui m'a des populations continuer à collaborer avec la police pour être capable de briver, mettre main la collette bandit. Nous avons Jean-Louis David, 19 ans, Jean-Louis Dieu-Sibon, 22 ans, tous deux originaires de la vallée de Jacmel. Nous avons Romélus Bertoni, monsieur Gagné, 23 ans, il fait la montage Jacmel. Nous avons Eugène Josué, 22 ans, originaire de Marigot. Et ensuite, Isaac Descollines, 27 ans, originaire de Port-au-Prince. Monsieur résidé dans le site Boisbeuf là depuis 3 ans et il fait partie de réseau Gansa depuis un an et demi. Fonction monsieur dans Gansa de décoder téléphone avec laptop ensuite pour le vendre. N'a demandé population hein, pour continuer à collaborer avec la police. Bail information le gagnent, pas négliger côté plainte le victime. Pour ça n'a toujours gagné en sud-est en sécurité. Pour qu'on est là, 5 présumés bandits là a réfléchi dans dépôt en attendant un juge prononcé sur Caillou. Jamel, Jelly Mounouz, Kisker. Merci. Nous prenons dans Zile Lagonave, côté porte-parole, groupe Action pour développement Zile Lagonave, Gadig. Paulson Saül, critiqué parlementaire, d'après ça le dit, et qui pape travaille dans l'intérêt population. Porte-parole organisation ça li fait connaître li pas attendre rien dans main gouvernement qui pral tabli an li mandé de préférence pour ta réduire quantité ministère yo Jean Preston Toussaint pour plus de détails. Paulson Saül, porte-parole, groupe Action pour développement Zile Lagonave Gadi, critiqué parlementaire haïtien, yo, li di, ki rete nan fè l'agent pendant population qui te vote yo ap mouri nan krasa. Porte-parole Gadi, la questionné premier ministre Lapin, qui ça, li pral fè nan krisa, monsieur Paulson Saül. En tant que porte-parole Gadi, kap gade politique pays d'Haïti, et nous-mêmes, dans Lagonave, nous-mêmes, pour problème, nous gen la Gonave, nous remettons vers 20 ans, nous parlons de la Gonave, car j'aime finir ce problème, ça pour nous. Tellement nous avons des problèmes. Je dis, il faut que député à sénateur, tant d'écrit peuple, tant d'écrit monde qui te voyé à représenter. Parce que je dis, on a le président avec le président Deschamio, choisi un premier ministre. Mais est-ce que le premier ministre, son premier ministre, rassemblé? Est-ce que son premier ministre, t'as vu résoudre qu'est-ce qu'a cachita avec plus fort secteur dans le pays d'Haïti. Gardez pas les des autres qui gagnent, on va les députés qui prennent, on va les quoi, peuple haïtien, yo, dit puis y'a le fait, pour peuple, bagaille, pour femme, bagaille, pour ceci, bagaille, ça, on va jamais, yo. Pile point, porte-parole, Gadik là, Paulson Saül dit, il pas attendre rien comme changement dans le mode gouvernement, ça. Cependant, monsieur Saül m'a dit, premier ministre, nommé à faire attention. Réduit par quatre ministères, gain en pile là-dedans, qui pas vaut rien dans le pays, comme ça, par quatre gaspillages, l'argent qui compte faire là-dedans, le peuple va jouer un petit bagaille, il y a un souffle. Jean Preston Toussaint, Lagonave, Radio Kiskeya.
Mais si nous parlons dans le nord-ouest, monde qui a vive dans localité relé la Plate, première section communale Bassin Bleu, levé voyou pour dénoncer et autorité qui lagué deux bras balancés, yo pa gen ni relé ni répondre pour faire face à toute qualité problème. Coordonnateur Kazek section ça estime à Jackson critiquer gouvernement, lui dit qu'il parle des collectivités yo et lancé un appel bay gouvernement kap vini an pour voyager garder yo. Plus détails ak Saint-Jean Whiskis. La Plate, première section communale Bassin Bleu, département Nord-Ouest, a fait face à toute qualité problème. Tant qu'au problème santé, grand goût, la vie chère, problème route, de l'eau pour moun bouè, sans compter insécurité en cap valé terrain dans section si là à cause absence policier. La Plate tout, c'est une section communale qui en coma, côté pagé en ken moun, pour longer men bali, puisque l'état ça, pas jamais fait si travail dans section si là, pour y mettre en bout, dans souffrance population à faire face, jounen jodian, selon coordonnateur, Kazek première section communale Bassin Bleu, localité La Plate, estime à Jackson. La première section La Plate a profité, pas gagné de l'eau pour moun bouè, pas gagné en santé et puis gros difficulté qui gagnent qu'on gagne une série d'accidents qui posent dans section côté monde qu'on coupe tête monde côté monde avoir assassiné monde gouverné l'envoyer la police yo pas de moyens de déplacement or c'est l'état nous connaît qui gagne de voir pour bailler moyens de déplacement ça alors nous pas gagne santé nous pas gagne de l'eau nous pas gagne route alors bagaille tellement grave nous considérons première section La Plate pour une maladie qui est en coma, qui n'est pas conscient pour le dire qui s'est exactement pour le problème tellement en ville. C'est premier gouvernement qui monte, nous avons côté un petit assainissement même tombé dans la section et mon grand goût, la richesse, à fin de tout le monde. Coordonnateur Kazek, première section communale Bassin Bleu, localité La Plate, estime à Jackson, lance un appel par un nouveau gouvernement qui pourrait le venir, une manière pour s'agager l'ouvrir sous La Plate, qui c'est première section communale Bassin Bleu, une section communale qui est en coma, d'après ça le dit, côté pagé en ken moun pour longer mes bali. La Plate, première section communale Bassin Bleu Nord-Ouest, Saint-Jean Whiskis, Radio Kiskeya. N'ap vini dans le département de la Tibonite, côté ancien magistrat Saint-Maclan, Jean Dorélien, ak Belloni Deus, dénoncé bandi ak zam, yo di ki achete, ki ap tire sou, ki tire sou kaili, ak yon business di genyen pou yo te kapab fèl bandone yon terrain. Li gen nan localité ça, on localité rele Ti Citron 4e section communale Saint-Marc. Ancien magistrat critiqué autorité la justice dans zone nan, il dit et qui toujours a plagué bandi après au fin arrêté. Mais ça m'a dit pour plus de détails. Ancien magistrat commune Saint-Marc là, Jean Dorélien, ak citoyen Belloni Deus, dénoncé yon groupe moun yo di qui utilisait mercenaires ak zam pour forcer yo quitter terre yo gagné nan zone Ti Citron 4e section ak charrette 6e section commune Saint-Marc. Ancien magistrat Dorélien ak monsieur Deus dénoncé par Saint-Marc yo di qui toujours libérer bandi yo après au fin arrêté yo. Pour arrestation fait, même besoin qu'on est qui j'ai pas qu'à camper face à la population qui décide de travailler parce que moi-même, je n'ai pas rien contre travailler. Est-ce que c'est valable ou vous voulez bailler priorité dans le pays ça ou bien c'est mon cap travail? Alors, même besoin qu'on est qui ça pour le faire face à la situation ça? Qui fait bandit ça, chaque temps arrêté yo, il lague yo. Donc, même ma déo pour dire qui ça pour le faire. Même j'ai entendu tout ça qui a passé dans le niveau pays par rapport à bandit yo qui a foncé de bagaille, c'est aussi toujours la même situation. Alors, si pas qu'il y a assez ça yo, li la guerre pour moun vivre dans le pays, alors moi-même j'adore les mandés pour bonne réponse. Je connais bien qui ça l'a privé. Parce que moi, travail, je connais. Bon, je dis, mon travail pour gagner temps. Bon, moi, petit junior, d'un campan, prison, devant tous les gars, gros à nommer, à qui est-ce que tu as. Pour la même dit, il y a un mime, il y a marqué à démolir. Ok? Ancien magistrat commune Saint-Macla, Jean Dorélien, ak citoyen Belloni Deus, dénoncé yon groupe moun yo di ki utilize mercenè ak zam pou force yo kite tè yo genye nan zone Ti Citron 4e section ak charrette 6e section commune Saint-Marc. Ancien magistrat Dorélien ak monsieur Deus dénoncé par Saint-Marc yo di ki toujours libéré bandi yo après au fin arrêté yo. Pour arrestation fait, même besoin qu'on est qui j'ai pas qu'à camper face à la population qui décide de travailler parce que moi-même, je n'ai pas rien contre travailler. Est-ce que c'est valable ou vous voulez bailler priorité dans le pays ça ou bien c'est mon cap travail? Alors, même besoin qu'on est qui ça pour le faire face à la situation ça? Qui fait bandit ça, chaque temps arrêté yo, il lague yo. Donc, même ma déo pour dire qui ça pour le faire. Même j'ai entendu tout ça qui a passé dans le niveau pays par rapport à bandit yo qui a foncé de bagaille, c'est aussi toujours la même situation. Alors, si pas qu'il y a assez ça yo, li la guerre pour moun vivre dans le pays, alors moi-même j'adore les mandés pour bonne réponse.
Je veux connaître bien qui ça va privé. Parce que moi, je travaille, je connais. Bon Dieu dit, on travaille pour gagner temps. Pour un petit junior, d'un champion, prison, devant tous les gars, gros à nommer, à qui est-ce que tu as. Pour la même dit, il y a un mime, il y a marqué Adeloli. Ok? Qu'est-ce qu'il y a jusqu'à présent? Il y a un cabinet. Même ce qu'il y a 2100 pieds de même sur les terres, dans la population, moi, même des communautés, à qui j'ai l'apprécié des bagages? Même pas qu'il y a qui j'ai l'apprécié des bagages, ça. Tinico et Sikoni, qui nomment la justice pour Kounia, t'es une arrestation dans la zone blocos, m'a dit passé, pendant t'as tiré dans la zone, non. Information, fait quoi? C'est un monde qui toujours campé en face la police. Balatiboni, c'est Marc, 1100 Madeus, qu'est-ce qu'il y a? Merci. Organisation politique et syndicale qui rassemblait non plateforme yore les combits organisés, j'ai été annoncé dans la presse, on sit-in devant le ministère de l'économie et de la finance pour dénoncer mauvaise gestion équipe tête calée à faire dans tête pays et qui résulte à l'bail. Eh bien, je ne veux dire même gaz ou pas qu'à jeune pour acheter ni pour machine ni pour moto. Et en plus de ça, la vie chère, cap coucou mon peuple haïtien, misère grand goût. Chômage, sans compter blackout qui gagne tout partout dans le pays, d'après sa organisation dénoncée. Et monde qui était participé dans City Nan, et ont gagné pan 4 dans main yo côté ont lancé en pile slogan piment bouc contre autorité. À la tête une noire professeur Josué Mérilien, un dirigeant structure ça, mandé population lever camper contre Jovenel Moïse avec équipe liant. Syndicaliste continue critiquer décision et il prend pour nommer Jean-Michel Lapeyre pour l'occuper fonction Premier ministre. N'attendez professeur Josué Mérilien dans occasion sitin ça qui était fait devant ministère économie et finance dans micro Vladimir Maurice Ridoy. Nous là on dit que nous pas dans mafia qui fait là au téléphone le gaz là il a fait malheureux chauffeur passer nuit dans pont pour jouer un petit galon gaz. Nous comprenons jouer là c'est Katana Joum et Bill Good pour vous capable de mettre 200 gouttes sous l'île. Dans ce sens, nous-mêmes, nous là, nous disons que la population est déjà assez. Nous avons assez avec la vie chère. Nous là, vous disons que la question de gaz, son produit est stratégique lié. Le bras la gueule, mais ma fête est privée. C'est l'État qui doit contrôler. Nous là, vous disons que le pays avec nous volant. Volant, c'est l'État, volant. Nous n'avons pas besoin de livrer le marché de gaz. Bah, il secteur privé, il faut mettre pied sous coup, malheur et pipis. Jeudi, c'est 43 massiers. 43 massiers pour un professeur, un pile à l'État. Puisque c'est un besoin de payer votre masse. Nous l'avons dit que, regarde que je vais la faire. Regarde que l'armée a fait là. Il faut s'assister, il faut prendre le couille. Nous voyons que, parmi tous les animaux, il y a acheté caillot. Je vais nous laver. Bon, c'est la paix, il y a un chat. Mais ça nous dit que, un pile tout sur la paix. Puisque là, la paix prend 10 sa favelle. Et comme direction soit du livre, côté monsieur Québec comme porteur de main, nous dit que Julio Zia, nos pays côté corruption, abta et banda, volant sur tout niveau. Faut qu'on se suspende, faut qu'on mette code et que tout volant pour que le peuple a respiré. Nous l'avons dit, son site à nous lancer. Nous lancer signal, on dit que cette situation est là, on va accepter. Donc, on va gagner le choix, ce que je vais gagner, c'est continuer le VKP. Faites attention pour nous faire construire fort, pour nous faire jouer des choses, mais toujours pour oublier la gueule. Et pour construire l'autre société, l'autre État, on est pas gagné volant, on est peuple à gagner bien-être, on est peuple à vivre correctement. Josué Mérilien, qui fait partie de Combita, qui rassemble l'organisation politique et syndicale, très coordonné international, l'autre organisation et les brigades syndicales anticorruption, et son Dumé, porte-parole Mopodla, ancien député Serge Jean-Louis, qui va mettre de l'eau dans le bouchon pour critiquer mauvaise gestion et qui peut-être qu'elle a fait dans tête pays. Syndicalistes, son Dumé, avec ancien député Serge Jean-Louis, dénoncer volonté pouvoir gagner pour monter prix gaz. Non. Mais ça, quand sent-il, coordonnateur serré, collectif éducateur pour renouveau éducation en Haïti, qui te présent tout, avec un groupe directeur l'école, qui n'a programme Sugoa, et dans City Nantes, de profiter pour payer 3 années, et l'État doué dans programme. Il a été lancé quelques paroles, piment Bouctou, contre ministre éducation nationale. Et alors, yon après l'autre, d'après des chansons du mec, a parlé dans non brigade syndicale anticorruption, porte-parole Mopodla Serge Jean-Louis, et coordonnateur Seria Messac Saint-Il, tout est dans le micro, Vladimir Maurice Ridoré, dans le cadre sit-in ça, comme bit la te organisé devant ministère économie et finance, dans avenue Charles Sommer. Bye, bye, bye.
Regardez les anti-corruption par rapport avec une aujourd'hui à nous, le gouvernement entre dans un plan ensemble avec le secteur privé mafia pour au capran gaz à la guerre, c'est un produit stratégique qui transversal. Une aujourd'hui à nous même pour dire l'anti-corruption, nous demandons pour le peuple à lever comme parce que je dis si on va mafia ça gaz à pour contrôler, nous comprenons ce qui marche. Regardez tout le pays, on va passer une aujourd'hui à regarder tout ça qui moto les bruits aujourd'hui gaz, c'est un pile de l'IPC. Je ne dis à nous, gaz à comment c'est fun. 800 gouttes, bien voté. 900 gouttes, bien voté. 1000 gouttes. Tous les jours, nous disons non. Pour tout ce qui est levé, campé. On s'est dit qu'on fait avec l'ensemble des revendications claires. Question gaz. Question 1,50$. Plaque à route. Corruption. Son site est né. Il n'y a rien d'arrêt 10 mois. Il n'y a rien d'arrêt 15 mois. Il n'y a rien d'arrêt 25 mois. C'est pas qu'il y a des gars qui est important. C'est message qui a placé. Regardez Fancasio, qui est grave. Vous avez gaz, il est dans le pays. Il est conséquent sous. Il est conséquent sous pour le produit. Comment imaginer, dans le 21e siècle, il y a plein de gouttes, 500 gouttes, 650 gouttes, 600 gouttes, pour gagner le gazoline, blackout, un peu partout, pour 24 sur 24. Et dans le système, ça veut dire nécessairement. Nous passer par le départ de Jovenel Moïse pour nous remplacer par le président de la Cour de cassation. Après, j'ai un gouvernement de transition pendant 36 mois. Nous avons organisé une conférence nationale pour mener nous sur route pour nous changer le système. Militants disent que chaque fois, directeur dans la rue, c'est l'intégration que nous avons demandé. Nous n'avons pas demandé à Génon intégration. Pour nous, il n'y a pas Jovenel, à Génon. Nous demandons pour nous toucher 3 ans d'état de nous. Fòk nou di, bon, c'était Sitin sa, kom bit la ki gen la dan organizasyon politik ak syndikal ki gen nou tepti Jos de Merile te organize. Men anvan sa, yo te paret yon not pou te fè yon rale pou denonse maniget. Yo di maniget pa maniget, pri gaz nan pa monte. E nan rale yo te fè nan not sa, yo di, yo denonse liberalizasyon mache gaz nan. Et c'est yo dit c'est une exigence institution financière internationale tant que FMI toujours fait c'est sous bazar président inculpé Jovenel Moïse d'après ça yo dit t'est monté prix gaz dans mois juillet 2018 après il était fin prendre dictée dans main FMI mais c'était bien compté mal calculé pouvoir Aloufa tête Kalea avec toute fonds monétaire international t'est monté sous au grand selon organisation peuple t'est levé campé Jouk li te forcé ou fait bac sous mesure ça après lever campé ça fonds monétaire international te proposé pouvoir Aloufa tête Kalea toujours appelé note là pour li pas augmenter prix gaz là un seul coup mais pour li faire petit crasse petit crasse tant que sourit qui n'en pain journée jeudi à Maniguet nuit l'état prend mesure pour les marché gaz là comme ça bourgeoisie a capable commander gaz Jean livré dans pays sans aucun contrôle ça qui risqué fait consommateur yo prend dans toute qualité mauvais gaz même gaz qui ca craser moteur machine ti maléré qui fin faire plusieurs années à travail pour acheter une vieille machine surtout et nous connaît l'état pourri ça pas gain aucune capacité pour contrôler opérateur privé yo dans sens ça démarche ça risque renforcer pratique corruption dans société pendant ce temps ça pendant ti consommateur ou pas ka jwenn gaz gros paltou a acheté gaz dans droum pour al revendre dans la rue entre 400 pour arriver 750 goud selon et dans ki zone yo yé dans pays a pratique et stocker gaz dans caisse ça et pour vendre nan risque mettre la vie en pile moun en danger dans un pays qui déjà pa gen bon service pompier certains chauffeurs bus moto à camionnette bon côté pa yo fixer prix course par yo Jean Pipito attitude criminelle autorité yo montrer à clair pouvoir Aloufa tête Kalea cementer pour les départir pays ya et pack en pack et piller richesse li yo et puis pété fiel peuple en bas misère grand goût avec insécurité programmée situation ça la cause condition la vie population vin pi malouk en pile professeur ak élève l'école malheur ak malheureuse yo pa gagné yo gen y a vive de préférence dans gros tête chargé
yo pa gen moyen pou ka paye kous machine ak moto pou al mene aktivite. Alors c'est équipe Josué Mérilien qui gen la dan Jean-Paul Bastien, Guy Numa ak Patrick Joseph qui te signé notre ça qui finit ak aba et pouvoir machine pays aba tout maniguette pour monter prix gaz dans vive lutte pour un changement total capital. C'est combi d'organisation politique syndicale et populaire qui prend position ça. Nous connaissons gagné un regroupement organisation contre corruption qui écrit président de la Cour supérieure des comptes demander pour pencher pour l'ouvrir une enquête sur et accusation qui gagné 121 millions gourdes et qui t'a fait fond à faire boire de l'eau café à manger dans chambre député. Eh bien, il y a un député au Cap-Lan que nous pas contendez. Il a parlé dans le micro nous pour la première fois. Jean-Étienne, qui est vice-président des affaires administratives, chambre député, a qualifié de rumeur qui n'a pas aucun fondement qui a circulé par le dopier enflé. Dans les médias, qui a fait quoi? Il y a 121 millions de gouttes qui fait fond, non acheter de l'eau, café, à manger. Et d'après ça, il dénoncé. Selon le parlementaire, il y a un pile incohérence. Non information ça parce que il dit Gandhi d'Orfeuille pas de question et sorti octobre 2018 pour arriver décembre 2018 député au Cap Haïtien annoncé dossier ça il va le discuter dans conférence président pour faire lumière sur lui n'a pas des députés deuxième ville pays Jean-Étienne dans micro Vilner Joseph Mais le 15 janvier comme vice-président aux affaires administratives de la Chambre des députés et données qui là c'est des données moi qui datent de octobre à décembre et octobre novembre décembre moi même en vacances et pas fait partie de bureau Chambre des députés passé ça veut dire que là on peut prouver à la presse à la population que ça c'est vérité même pas de garantie comme nous qui enquête à mener pour nous garder parce que nouveau bureau hein, pour nous vivre est-ce que c'est vérité si c'est vérité là fait bureau normal parce que exercice pas dans de commencer donc date de gain de 1er octobre arrive jusqu'à 30 septembre la fait bureau pas normal ça fait fonctionnement c'est un genre parce que des milliers si c'est vérité lié n'a pas une conférence pour dire à la nation démagogie ou gabji qui fait dans chambre n'a pas dit clair et m'a garanti ça m'a pas serré et nous même comme journaliste notre pays à moi dans moins de deux mois n'a pas une conférence pour nous dire que dans quelque temps mais nouveau doit mener pour nous c'est vrai et parce que la chambre des députés pas seulement concerné ils ont membre c'est tout ensemble gagner ça pour faire l'assemblée que ça pour faire un nouveau bureau mais nous dire pas bon une réponse absolue mais m'a nous garanti que au bon porter un avion résultat enquête que la peine. Dieu c'est rumeur, pas rien un sens qui est écrit au chambre des députés qui en fonction je dis qui dit que nous font perte ou que nous font gaspillage. L'aime dit rumeur ça veut dire que nous même moi-même comme qui membre bureau, m'pas ca en chasse rumeur faut mal garder dans budget hein, pour moi est-ce que vraiment nous compte dépenses qui fait qui pas répondre à ça de gagner. Je dis m'pas ca ça assembler à pas trancher sans pas une séance pour chita sur bouger ça m'pas ca petit à travers les rues que oui grand dépenses qui fait qui mal fait. Parce que ça, mon abdi, nous-mêmes, nous ne pouvons pas chiter dans le bureau, sur ça, abdi, on a rue, sur clameur, ou bien rumeur, il n'y a pas concerné. C'est si on a consacré fait, l'Assemblée des députés, ou encore la conférence des présidents, à chita, dans la conférence des présidents, il a dit que ça, il faut l'Assemblée, et puis, dans sa assemblée, tranché. Je veux dire, nous ne pouvons pas oser mal dire, nous ne pouvons pas chiter parler sur le dossier, ça, abdi, on a rue. Et en plus, moi, je fais dans le dossier, parce que moi, je mettais que de. Il y a une question qui dépensait avec mon président de octobre à novembre, à décembre. À cette époque, pas de question ça là. Pas de question d'offre. Là encore, déjà gagné, on ne fout pas. Maintenant, est-ce que vous pouvez s'assurer sur le dossier Gandhi d'Orfeuille comme question avec Gary Baudot comme président de octobre à décembre? Non, pas de question là qui était de Gandhi d'Orfeuille. Donc, c'est à demander qu'il y ait une analyse approfondie pour nous regarder. Est-ce que c'est erroné mon lancé balle à travers les ou bien radio qui est erroné ou bien c'est son montage de mauvaise foi pour nous éviter pour nous craser l'institution avec légèreté côté que mon a dit, mon a écrit, tout ça avait écrit. En partant, quand on regarde, il ne faut pas. Mon nous question, pas de question de moment ça. Dis-moi, comme qui vit le président, je dis, on va courir trancher à la va-vite. Voilà, c'est mon bureau député au Cap-La, Jean-Étienne, qui t'a parlé comme ça, dans le micro. Collaborateur non et Vilner Joseph. Directrice générale Institut national formation professionnelle INFP, Mme Magali Diossé, et bail une conférence pour l'après-jeudi dans le nouveau local INFP gagné dans la commune Pétionville. Côté lui dénoncer un complot, lui dit qu'il montait contre lui et dans tête institution ça.
et dit un complot qui visait lui-même personnellement et il voulait pour ta mêler nos affaires corruption et il dit que il connaît tout le monde qui a attaqué lui et INFP son institution qui dépend du ministère de l'éducation nationale et formation professionnelle il parlait de yon plainte syndicat employé INFPO déposé ça a été dit dans paquet Port-au-Prince côté Jodia il dit madame Maggie Diouce de doit al répondre il dit c'est ça li apprendre madame Diouce accusé plutôt coordonnateur syndicat employé INFPA Jean-Marie Leveillé il dit qui gagne un mandat d'amener contre lui pour al répondre question concernant zak crasé brisé il était fait dans institution pour al répondre la justice il insistait sur bon genre comportement et Jean li bien géré institution depuis le rivé dans tête li et pendant li montre le pas content tout façon dossier ça traité dans la presse n'a attendé directrice générale INFPA madame Maggie Diouce dans conférence pour la presse ça côté Gervens Ricardo Jean-Jacques était présent pour Radio Kiskeya. En tant que directrice générale de l'INFP, moi condamné avec véhémence un vaste complot qui fomentait contre institution parce que m'pa ka dire fomenté contre Maggie Diouce, li fomenté contre INFP et par un employé qui dit que li nan syndicat et qui comportait li selon tout moun wè li en bandit et li presque vinn un bandit légal parce que la PCE légaliser zak banditisme li fait sous institution. Campagne ça nous inscrit en faux contre lui, contre toute accusation mensongère et méchante que monsieur Saha qui dit il s'est employé INFPA a instrumentalisé presque la justice, j'aime ça dire là parce que gagner des mesures administratives qui prend contre lui puisque son monde qui pas jamais vinn travail donc après plusieurs lettres de blâme nous t'arrivé au niveau de l'administration hein, à Bali non seulement une suspension de 3 mois qui concertait avec ministre de tutelle nous et deuxièmement puisque il t'est vini faire un acte de banditisme sous institution hein, li gagner un mandat d'amener contre lui mais mandat là depuis le 4 avril que le magistrat Clément Noël vini lui-même verbaliser en présence monsieur côté que arrestation pas faite parce que t'es gagné des élèves kounyan li passé pas derrière pour l'aller le 8 avril al porter plainte contre moi-même Maggie Diouce parce que gagné élèves qui t'es vini et que yo t'es repoussé yo t'es metté gaz devant yo gaz etc. Yon chasse gardé et de yon petit groupe qui prend l'en otage. Nous avons 420 nominations qui fait et ces 420 nominations gagnent plus que 390 personnes qui étaient dans la rue, qui ont manifesté ou bien comme professeur, formateur, ou bien comme cadre, ou bien petit personnel. Eh bien, le fait que nommé, c'est un problème par rapport à qui gagne chasse gardée parce que yo te comme fait moun sa yo toucher 6 mois sur 12. Ou bien 9 mois sur 12. Depuis yon touche, faut que yon vin pote ba yo. Nouvelle équipe là, li procédé, ce que tout le monde connaît. Yon de projecte 17 millions de dollars. Nous dit le trop. Pas de pays là pour mettre 17 millions de dollars la donne dans l'école professionnelle. Quel monde qui écrit, yon dit c'est sous entrail yon m'a passé. Si pour m'arriver, fait 300 ça construit dans le pays là au lieu de un seul. Actuellement, nous gagnons environ 20 de apprenants qui sont dans tout nous fait. Côté que gagne près de 60 finissants que nous fait concours dans toute sentio pour nous ka joindre 20 apprenants pour nous capable voyer yo aller en France en Belgique nous non situation de dépravation devant porte sorti pour tourner derrière caille dans pays a moun qui respecte tête yo vagabond a pousser do yo moi même Maggie Diouce moi dit moi respecte principe de déontologie moi remarqué une sorte de machisme dans pays a. Yo pa vle fòm yo okipe fonksyon vre.
Parce que depuis nous la donne, yo voulez traumatiser, yo voulez rivaliser, yo voulez faire tout ça yo capable pour yo craser image nous. L'on réussit prendre job là dans bataille, qu'on y en fort bataille pour Kembel. Nous dit li l'heure pour ça fini. Nous pensons que pas gain pile directrice générale qui c'est des techniciens qui travaillent là. Qu'on y en la guerre, elle est une guerre de tweet, une guerre de Facebook. Moi-même, moi prononcer moi en guerre contre toute fake news qui contre moi. Et m'a demandé Loop News, m'a demandé Réseau Nord-Ouest, m'a demandé Capzi News pour yo retirer tout ça yo que mettez sous moi qui c'est des mensonges, que c'est manipulé yo qui t'est manipulé yo, que c'est par m'ta capable dire m'pas vrai quoi c'est méchanceté, mais li manquait professionnalisme. Le journaliste est un métier noble. Et INFP prend sous l'île, c'est toujours qu'on a dit ça avec d'autres ministres, même dans le ministère. Non. Il faut des formations. Il y a l'éthique dans tout ce que l'on fait. Nous pas qu'à craser image moun. Nous avons maman, nous avons papa, nous avons soeur. Nous avons des textes en vont écrire, c'est pour nous trembler. En vain que nous voyons aller. Mais pas bail le son. Mais si c'est pas ça, pays a fini dans mes nous. Et tout le monde qui a capacité, qui a honnêteté, qui a loyauté, qui a bail résultat, depuis que nous avons mis nos discours, tout le monde a pris tweet sur nous. Voilà, directrice INFP, madame Maggie Diossé, qui pas contente du tout et dénoncé une campagne qui a sale non à partir de postes occupés. Dans direction institution publique ça. Trans journal ça, c'est Nissan, BNC, Accordia Shipping, ak complexe médical, lunetterie divine qui te potel pour. Olapale.com. Toujours sur Radio Kiskeya, on suit un journal 4 heures, on a présenté depuis studio Bertrand Pierre Louis. Et merci d'est-ce que vous faites Radio Kiskeya confiance pour informer. Gen ancien élève et puis ami du séminaire Saint-Martial et yo invité yo pour yo vin célébrer ensemble dimanche Rameau avec père R.P et Yukwij qui s'est conseiller bon quoi c'est contre prononcer ou bien Yukwijij et qui s'est conseiller général congrégation Saint-Esprit hein? Et yo mande ancien élève yo avec zami yo vini zami vini tout ak fami nan ti séminaire pour une célébré avec père nou konnon ni mwen ba konnon ou kwidji mwen si pa trompe et c'est nan rue Lamar et dimanche ça 14 avril mais ça commencer à 8h nan matin c'est président association ancien élève dans le séminaire collège Saint-Martial Dominique Franck Simon qui signe invitation ça. N'a pas retourné dans l'actualité internationale là côté péripétie a commencé pour Julian Assange. Julian Assange qui dans prison depuis hier dans prison britannique et qui gagnait et là pour goumer pour parler dans pays États-Unis mais selon spécialiste dans question convention qui existait entre États-Unis à Grande-Bretagne et il dit du pas quoi Assange gagne trop chance pour pas d'avoir aller. C'est commencement une bataille devant la justice qui capable long pour fondateur WikiLeaks qui était le lanceur d'alerte et Julian Assange et un pas était considéré comme un héros et quoi il a un paquet de monde qui virer de Bali et monsieur fait passer première nuit li dans prison. Et monsieur est capable extrader dans pays États-Unis et c'est pour ça avocat pour le gouvernement pour ça pas fait et États-Unis qui considère monsieur comme une menace pour sécurité et qui voulait juger Julian Assange il est en prison Belle Marche dans sud-est Londres c'est ça et je dis à une source dans la justice révélée par la presse alors que toute grande presse britannique là te parlé de préférence de pénitencier et Wandsworth dans sud-ouest capitale là. Belmarsh, c'est un pénitencier haute sécurité qui est capable de recevoir 910 prisonniers, là-dedans surtout prisonniers qui attirent l'attention la presse. Et d'après ça, une inspection et 2018 et fait un rapport qui est publié. Donc c'est là où mettez moun sa yo.
agent consulaire australien, puisque Assange est australien, pour demander au gouvernement britannique là pour le rendre une visite plus vite possible. C'est ça, et ministre australienne Affaires étrangères, Maryse Payne, annoncé jeudi à, il dit que certains gouvernements britanniques ont bien traité Julian Assange dans la prison côté lié. C'est hier matin, c'était tout un événement, il a arrêté lui dans l'ambassade du pays Équateur, mais avec autorisation du gouvernement équatorien. Hein. Et côté, la police s'est râlé monsieur en dedans l'ambassade là, et puis traîné monsieur dehors pour mener monsieur et pour mener ni à dans fougon. Et côté pour transporter dans prison côté al fait maintenant. D'abord aller devant la justice avant que il mette dans prison côté yo fait maintenant. Assange était couru entrer dans ambassade pays Équateur là parce que il était voulait échapper en bas mais la justice britannique peut pas devoir al juger pour accusation, il était fait agression sexuelle sur deux suédoises. Et il était connu depuis le temps en Suède, Suède t'a voyé tout by États-Unis. Julian Assange et on te présenté hier après-midi dans tribunal dans Westminster et côté juge là dit monsieur coupable d'après avoir il pas respecté liberté provisoire te bénéficier pour te présenter devant la justice il capable pour faire un an prison pour ça et d'après ça juge là déjà fait le connaît mais pourquoi bail qui date il a prononcé peine apparemment d'arrêt britannique là Assange pour faire face à demande extradition américain qui accusé d'après avoir fait piratage informatique ou capable consenti dans ça qui concerne demande ça et ça juge Michael Snow te dit pendant première comparution non avant à façon ironique et juge l'en dit mais inconvénient mais avantage situation non un choix comme ça et il y a possibilité pour capable faire appel mais tout et il y a possibilité pour mener plus vite à dans pays États-Unis d'après ça juge l'en dit et puis après ça pour qu'a faire vivre. Julian Assange te refusé, il te gagné yon veste noire sous li et il te fait cheveux fait queue de cheval et monsieur gon gros bab dans figure toutes cheveux blanches net et monsieur te paraît très calme contrairement à Jean te paraît l'état paraît là et quand elle te dit Royaume-Uni doit résister c'est ça elle te dit devant policier avant audience là dit même te gon livre dans main sous système militaire américain elle t'a li et il te quitté journaliste au web et Paul Livlan pour te faire reportage sur lui. Avocat Jennifer Robinson annonce qu'il pourrait contester décision de la justice britannique là, il pourrait goumer pour pas extrader dans pays États-Unis et c'est Kito qui autorisé pour arrêter d'après sa avocat dit, son gros danger désormais qui prend sous tête tout organe de presse à tout journaliste pour lui même liberté la presse en danger dans le monde entier. Bataille judiciaire ça capable prendre en 18 mois à 2 ans. Selon Ben Kett, qui sont avocat britannique spécialisé dans affaires extradition, il fait qu'on ait chance pour Assange gagner pour pas t'avouer aux États-Unis, il fait en pile d'après ça le déclaré by AFP. Il fait qu'on ait Royaume-Uni toujours répondre positivement toute demande d'extradition États-Unis mandé. Il accusé monsieur d'après avoir été ridé analyste renseignement américain Shel Simanin qui était avant ça était un soldat garçon il fait transformation col il vient tourner une forme et pour te jeune mot de passe pour te capable accéder à plusieurs milliers de documents classés secret défense Julian Assange capable passer pour plus petit 5 ans dans prison dans pays États-Unis depuis on t'a extradé d'après ça ministre justice américain fait connait alors Assange te gagné une belle aura et il était considéré monsieur comme un héros. Mais on a après découvrir monsieur était participé est-ce que c'est volontairement ou bien yo manipulé et non et mettait une série de informations dehors sur Hillary Clinton qui t'après favorable pour permettre que Donald Trump monte comme président et en plus de ça tout reprocher monsieur d'après avoir monsieur et ou bien ta directement ou bien objectivement travail et pour Vladimir Poutine. Et c'est ça qui vient faire conseil de monde qui râle koyo et sous monsieur et yo rappelé dans campagne électorale là les que monsieur tap mette information pour couler Hillary Clinton dehors et bien dans ça te gagne un certain candidat était le Donald Trump qui te dit bravo et WikiLeaks était contre jeudi a il pas parlé en pile sur dossier c'est vrai mais c'est même États-Unis qui mandé pour juger monsieur et une situation qui est bail en pile réflexion analyse faut que nous dit
ancien président Équateur Rafael Correa qui tendance de gauche qui combat et américain il était bien recevoir Julian Assange dans ambassade d'hier était bal tout moyen pour te vivre mais même ancien président Correa dénoncer comportement tout Assange te gagné qui pas correct en pile fois. Il dit monsieur qu'on a pensé entrer dans une série de documents et monsieur pas obéissant, il pas respecter normes diplomatiques. Mais Lénine Moreno qui était vice-président Rafael Correa, qui lui-même c'est un pro-américain et qui vient monter là, et bien il chavire décision Rafael Correa de gauche anti-américain, t'es prêt Rafael Correa qui a vive dans pays madame ni et Belgique depuis le film qui était pouvoir et deux monsieur Sayo, c'est l'être ak citron yo. Lénine Moreno justifie la décision pour autoriser la police britannique entrer dans l'ambassade la mettre Julian Assange dehors son aucune chaîne précédent diplomatique lui fait connaître en tout dépenser 6 millions de dollars pour te entretenir monsieur pendant 7 ans lui passé dans l'ambassade. N'a venir la Caypanon direction deuxième ville pays au Cap Haïtien côté Jodia la police annoncé gain 6 moun yo met men sou yo après attaque qui t'est faite insécurité côté deux cambis perdu la vie dans semaine ça même dans ville au Cap directeur police dans Nord Jackson Hilaire fait connaître la police t'est arrivé saisi deux armes kayoun nan moun yo accusé yo Gérard Maxino pour plus de détails. La police dans deuxième ville pays a annoncé vendredi 12 avril 2019 là, yo interpellé 6 individus suite à braquage qui t'est gagné mercredi qui soit passé à dans centre-ville Cap-Haïtien côté bandi exam t'est tué deux campis. Parmi moun yo interpellé yo, yon nan yo t'a clairement identifié comme yon nan bandi qui t'est participé dans double assassinat ça selon directeur départemental Nord PNH Jackson Hiller. Numéro 1, la police sa nan département Noa. Fè radio kiske a konè, la police saisi deux âmes la kay, yon nan 6 moun yon interpellé yo. Cependant, la police pa vle cite aucun nom pou pa nui enquête la. Parallèlement, directeur départemental Noa, Pierre Jeudian, commissaire Gabriel Hugues, comme nouveau responsable commissariat police Cap-Haïtien. Même pour ça, commissaire Hugues te occupé entre l'année 2014 et 2017. Gérard Maxino, Cap-Haïtien, pour Radio Kiskeya. Merci. N'a pas continué journal la conférence recteur président ak dirigeant université ak institution et enseignement supérieur haïtien corpua et ak université Renaissance URH nan partenariat ak agence universitaire francophonie AUF jodi a te gen yon activité côté recteur président ak dirigeant université sa yo. Yo te organisé yon journée conférence débat sous affaire sécurité nan affaire manger et thème nan c'était sécurité alimentaire en Haïti état des lieux défi à recommandation secrétaire exécutif Corpua Edgar Prévillon ak recteur URH nan Franck Charles parler sous nécessité pour sensibiliser jeunes yo en dedans université pays d'Haïti sous problématique ça et qui en pile fois yo parler de manque implication haïtien dans bataille pour développement pays yo yo fait connait projet ça il y a trois objectifs chita et chita sous trois grands axes responsable yo parler de importance yo bay question sécurité manger qui c'est yon nan premier aspect nan devoir et nan droit tout le monde on écouter professeur Edgar Prévillon et ingénieur Franck Charles. Et dans le cadre de la conférence de Bassa, dans le micro, Didro Parent. Le projet de l'Université haïtienne pour le développement poursuit trois grands objectifs qui sont d'accroître l'intérêt des communautés universitaires pour les questions reliées au développement national, susciter des espaces de réflexion sur des thématiques stratégiques de développement telles que l'énergie, la protection de l'environnement, etc., renforcer la pertinence des activités d'enseignement et de recherche des institutions d'enseignement supérieur. Ce projet s'organise autour de trois grands axes, dans une série de, dont un axe de sensibilisation des acteurs, axé sur une série de conférences visant à faire connaître, à sensibiliser et à mobiliser autour des préoccupations de développement. Le panel à l'ouverture duquel nous procédons ce matin se place dans cet axe de sensibilisation. Le thème sécurité alimentaire nous intéresse au premier chef, parce que l'un des premiers droits de l'homme, c'est la nourriture. Comme a dit notre ami tantôt, il est indiqué à la Constitution
que l'haïtien a droit à l'alimentation. Notre monde qui a fait 11 semaines sans manger. On n'est pas obligé de jeûner. La question de sécurité alimentaire m'intéresse au premier chef, étant donné que moi je suis recteur d'université et je vois comment les étudiants évoluent ici dans la question de nourriture, dans la question d'alimentation. Comment est-ce qu'on peut demander à des étudiants d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, de venir prendre le pain de l'instruction ici avec le ventre vide? Il n'y a pas de droit de l'homme sans le droit à l'alimentation. Parce que personne ne peut vivre sans manger. Alors que cet élément devient un élément important, un élément prépondérant et même un élément inquiétant en Haïti. Combien de gens en Haïti qui passent leur journée sans manger? C'est la raison pour laquelle, quand le secrétaire général a fait appel à moi pour me proposer cette conférence, j'ai accepté de bien gré parce que je me suis dit que c'est une question qui intéresse tout le monde. L'université est le lieu par excellence de réflexion et l'université se doit d'apporter des solutions aux problèmes de la société. Il y a quelques 2 ans, l'actuel président nous a promis de mettre de la nourriture, de mettre de l'argent à manger dans l'assiette, nous, avec banane, dans la politique. Non? Mais je suis en train de faire une petite réflexion justement sur la question de sécurité alimentaire. Ça veut dire que ce serait peut-être une réflexion qu'on aurait pu faire aujourd'hui sans qu'on en souffre, plus précisément. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au moins 80% des Haïtiens, 90% des Haïtiens devraient avoir la possibilité de manger à leur faim. L'estimamite du riz a 20 plus que 50 gouttes, d'après ce qu'on dit, on va radier mon lieu dans la sécurité alimentaire, si je me trompe. Alors, on est dans un pays où les droits de l'homme, où le premier droit de l'homme n'est pas respecté. Voilà, Edgar Préville, professeur ingénieur Franck Charles, et doyen université URH, t'es parlé comme ça. Dans le cadre d'activité, ça, tu as intervention directeur technique CNSA, Jean-Ulysse Hilaire, dans l'intervention de fait sous thème état des lieux de la sécurité alimentaire en Haïti. Et l'idée dit bataille contre misère, dans FAES, Gilbert Buteau, t'es parlé sous thème, alors directeur et lutte, bataille contre la misère dans FAES. Dans sécurité alimentaire, il fait étude et de cas bataille ça. Et puis, le professeur Sergo Jacob qui a parlé sous thème sécurité alimentaire en Haïti, détermination et piste d'amélioration. Directeur technique CNSA, Jean-Ulysse Hilaire, fait qu'on a une quantité de monde qui a un grand goût dans le pays. Ce n'est pas descendre, c'est monter, la monter. Sorti l'année 2011 pour arriver 2018. Il précise qu'il y a plus passé 2,5 millions de personnes qui vivent dans le grand goût dans le pays. N'est-ce pas? Jean-Ulysse, il est toujours dans le micro, dit deux parents. Essayons de voir quel est l'état de sécurité alimentaire. La mission de sécurité alimentaire à l'an de 2011 afrique. Il faut dire qu'on a pu enregistrer un niveau vraiment sans précédent en termes d'augmentation d'insécurité alimentaire. Si vous regardez maintenant entre 2006 et 2011, on avait enregistré un terme d'insécurité alimentaire élevé et qui est passé en 2018 à 17%. On sort de 6 et on tombe à 17. Et au niveau national, globalement, on a enregistré en termes de modéré et sévère, en termes d'insécurité alimentaire, 49 points, près de 50% de la population, c'est-à-dire 8%. Maintenant, essayons de voir la localisation et aussi le nombre de personnes en insécurité alimentaire. Donc, c'est pour cette raison, avant, j'ai pris le soin de mettre le tableau de référence pour vous. Quand vous voyez le vert, le jaune, ainsi de suite, qu'est-ce que cela sous-entend? Si vous regardez, on a un pays globalement en crise. En crise, il faut dire que ça, c'est une analyse qu'on avait réalisée en décembre. Et quand on fait l'analyse, la durabilité, c'est pour 6 mois. C'est-à-dire qu'on a une phase dénommée phase actuelle qui part du mois d'octobre jusqu'au mois de février. Et à l'autre phase, c'est la phase projetée qui part du mois de mars jusqu'au mois de juin. Maintenant, pour la situation actuelle, qu'on parle d'octobre à février, on a regardé, il y a seulement 3 zones au niveau pays qui est en stress. Quand on dit stress, c'est-à-dire pour qu'une zone est classée en phase de minimale, il faut qu'il y ait en moyenne 4 sur 5 personnes
qui arrivent à couvrir leurs besoins alimentaires sans recourir à des assistances. Mais à partir de la phase 2, tout le monde sait, ah, je suis stressé, ou un peu de stress. Tout le monde sait qu'est-ce qu'on... Quand on dit stress, qu'est-ce que cela sous-entend? Par contre, quand on est en crise, c'est autre chose. Et regardez, on est à, comme le présentateur de tout à l'heure l'a dit, on a plus de 2,5 millions de personnes au niveau pays qui est en insécurité alimentaire. Voilà, c'est directeur technique CNSA, Jean-Iris Hilaire. Et j'aime de nous dans le débat ça tout. Et grand représentant FAES qui responsable dossier bataille contre pauvreté, Gilbert Buteau. Te gen tout professeur Sergo Jacob et te gen tout ingénieur professeur Edgar Previlon ak ingénieur Franck Charles et conférence recteur président ak dirigeant université ak institution enseignement supérieur haïtien Corpua et ak université Renaissance URH nan partenariat ak agence universitaire francophonie AUF qui te organisé conférence débat sa jodia sous sécurité alimentaire. Ça mène nous dans position tête collée type pays haïtien prend sous problème manger en Haïti et responsabilité l'état particulièrement gouvernement ça tête collée type paysan haïtien organisation nationale paysan et dit la suivre avec un pied à Kalea a proposé depuis l'elle installé dans tête pays a action ça d'après sa organisation ça dit a mené et qui a fait contre intérêt peuple hein. C'est des actes qui détruit paysannerie hein. Et dans tête collée nous et c'est dans chemin l'amour gouvernement Jovenel Moïse là a mené paysannerie d'après sa note là dit depuis Haïti prend l'indépendance li dans l'année 1804 et juste dans l'année 1980 comme ça et principal rôle paysannerie te joué dans économie pays a c'était kembe production agricole nationale là et puis assurer que peuple jwenn manger pour le manger depuis l'indépendance l'état ak élite économique yo fait un pile tentative pour retourner ak économie grand plantation yo et mais yo toujours échoué selon tête collectif paysan ces paysannerie ak jardin gardinage ak la pêche li fait qui est produit et ni denrée pour pays à vendre dans pays étranger ni et localement pendant plus passé 176 l'année presque toute richesse nationale là te chita sous dos agriculture familiale paysan presque tout travail qui te gagné dans pays là c'était agriculture familiale paysan yo qui te créé yo pendant plus passé 176 l'année agriculture paysan te assuré manger pour plus passé 80% population pendant plus passé 176 l'année c'est produit la terre paysan te vann nan pays étranger qui te bali devise pour te ka acheter pi fort bien li pa te fait pa bon ici c'est avec même travail paysan yo te fait dans la terre Haïti te joine l'argent pour payer la France soi-disant ça te relé dette d'indépendance nan qui donc agriculture paysan familial là gagne yon l'histoire d'elle et c'est yon gros morceau nan économie paysan. Et personne moun pa ka gade n'importe qui jan comme quoi li pa vo rien c'est ça tête collé di paysan di qui retourner dans l'histoire agriculture dans pays d'Haïti à quoi le paysannerie en joué au lieu gouvernement Jovenel Moïse deuxième version PHTK renforcer agriculture familiale paysannerie qui c'est base principale développement pays a l'a continuer mener pays a dans trou l'a continuer chasser paysan yo principal outil yo gagne pour assurer manger population à tout l'autre service qui nécessaire dans milieu rural là gouvernement Jovenel Moïse là tourne sensu pour sousser sans masse populaire d'après ça tête collectif paysan dénoncé l'on considérer événement qui passait dans mouvement paysan terrier rouge et MPTR youn dans organisation mam MPNKP qui fait partie de contré dans département nord-est côté la mairie dans terrier rouge dans tête collée avec un groupe bandi PHTK qui était armé jouk dans dans ravager démoli voler piller écraser un espace centre formation qui chita sous 22 carotes côté paysan yo a produit tout ça c'est une menace ak avertissement gouvernement voyé bay paysan yo pour montrer qui ça qui paraît pour yo toujours selon tête collée ti paysan haïtien
dans tel collectif paysan haïtien notre la capra poursuivre nous constater gouvernement ça pas gain aucun ni compétence pour répondre à besoin population puis spécialement à besoin paysannerie l'a fini net à tirer agriculture qui parle filière développement pays après gros levé campé masse populaire au saut faire gouvernement décidé voyer acheter 25 janvier 2019 là 500 tonnes du riz Taïwan pour bluffer moun sous prétexte la retirer population dans la vie de notre c'est plus grand goût plus misère dans mitan peuple là est-ce que descendre la vie chère vle dit descendre prix du riz l'en considérer complot gouvernement maré ensemble avec ministère agriculture pour retirer 500 000 hectares terre dans main paysan plateau central bon dit pour bailler une compagnie pour faire gros plantation pitimi et une façon pour retirer manger dans assiette paysan yo avec l'argent dans poche l'en considérer dans Saint-Michel de la Talaye gouvernement était 6666 carottes dans main paysan pour remettre un homme d'affaires pour capable planter zèb pour exporter d'après sa paysan yo dénoncé n'a cité yo l'en considérer paysan yo te capable produire manger peuple là dans tête collé ti paysan haïtien n'a dénoncé projet gouvernement gagné pour faire d'appiank et sous tes fonds yo pour remettre yo bay bourgeois grand compagnie étranger puis pousser paysan yo juste dans zo tête mon alors tes fonds sûrement c'est terre pleine il y a pas et mettez gouvernement tout yo dénoncé qu'a mettre en place la faire série de structures et pour gros entreprises capitalistes agricoles venir ramasser tel état à tel paysan pour faire gros business agricole pour bailler gros compagnies multinationales pour exploiter ressources minières avec projet corvée tête collectif paysan haïtien pour finir d'y demander pour la justice faire lumière sur événement qui t'est arrivé dans terrier rouge là côté groupe bandi et qui gagne en tête yo la mairie terrier rouge là ak partisan pouvoir PHTK déchouquer espace centre formation MPNKPA et pour arrêter et puis juger condamner criminel yo pour gouvernement camper sous toute liquidation avec la fait dans non nation et qui pral coûter pays à très cher dans 10 prochaines années qui a venir là yo à bas reste avec à gouvernement sous machin pays vive une société qui répond à besoin pour tête collectif paysan haïtien qui est-ce qui sien c'est Rostel Jean-Baptiste Venajan avec origine Louis ou toujours sous radio Kiskeya n'a pas continué avec journal long et côté nous pour aller dans Gredos justement à correspondant pour parler de agriculture plusieurs monde qui dans agriculture dans commune abricot qui a fait culture con avec du riz mandé ministère agriculture idéo puisque yo dit rat et a fini avec jardin yo qui c'est seul moyen production yo gagnent pour faire cop dans zone nord dans sens ça paysan yo dans Gredos mandé pour ministère agriculture idéo Charles plus détail depuis abricot Agriculteur de commune abricot qui a fait culture quand il mandé ministère agriculture pour voler au secours avec rat ak serpentier cap détruit jardin du riz à Kanyo qui c'est seul parmi deux productions agricoles dans zone là Étienne Bernard yon nan victime bête silayo a dit plus avec ces banquiers, je ne vais pas quitter là-dedans, moi, c'est celle paille là. C'est couper ma pelle la gâte, je cherche pas grand ma vue là-dedans. Plusieurs mouns dans la zone et subi Zach. Rap avec serpentier dans jardin du Rio avec Kanyo. De papa Gredos sans qui c'est yonna grenier agricole pays ya pour agriculteur yo, yo pas jouen aucun encadrement bon côté gouvernement. Charles Emile Joassin, Radio Kiskeya, Jérémy. Oui, nous allons dans le nord-est, côté porte-parole, coordination tête collectif paysan haïtien dans la commune Rankite, Paulina Sylvestre, dénoncé, juge suppléant tribunal de paix zone, Rodney Sylvain, Lidi qui a fait paysan monter le ciel par d'eau, et côté, l'État a demandé yon habitant dans la zone pour payer un dividal l'argent
pour un cochon qui t'a mangé jardin. Plus de détails avec Benoît Lafontaine. Coordination, organisation tête collée, ici dans la commune de Kitla, dénoncé juge suppléant tribunal de PA, route 2, Sylvain, et qui a fait un petit paysage monter le seul pado, du fait que t'a demandé, ils ont somme 12 000 gourdes pour t'a payé, pour un cochon qui t'a gaspillé, j'adore l'autre. D'après porte-parole organisation du paysan contrôlé haïtien, Polena Sylvestre, si vous parlez de corps pour t'apporter aller en bamba ou du moins pour acheter justice. Au chapitre porte-parole organisation contrôlé du paysan haïtien communal qui clore, Polena Sylvestre, dans le micro, Radio Kiskeya. Sylvestre, qui c'est pas parole organisation tête collective paysan haïtien, mandé pour ministère de la justice capable dire mot dans le dossier Silayo, commune qui Benoît Lafontaine. Merci, ancien magistrat Chambellan Vidal Chevalier, lancé un cri d'alarme par pouvoir et dans Port-au-Prince, pouvoir central là pour faire intervention pressé dans commune là. Le dit qui exposé en bas menace inondation avec déboulonnage terre à cause rivière Grand'Anse nan et qui a descendu depuis quelques jours côté que plusieurs cailles qui déjà en bas de l'eau. Dans une interview par téléphone, je dis ancien magistrat Chevalier fait connaître actuel magistrat déjà mandé environ une dizaine familles quitter zone côté à vivre là qui menacé son véritable malépandier qui sous tête moun sa yo. N'attendez ancien magistrat Chambellan Vidal Chevalier dans micro Vladimir Maurice Doy. Nous rien le jour d'hier, c'est chasse à saison pluvieuse, et nous avons des glissements qui appellent au niveau de la ville de Chélan, de la rivière. Tout le monde était sous bord gauche en sortant de Jérémy, et ils ont menacé et ont endangé. Nous rien le jour d'hier, pour nous lancer un SOS au pouvoir central pour y faire des interventions rapides au niveau de la protection d'Hélan. Et travaux, ça y est, l'un des maires de 2007 à 2011, nous avons commencé les travaux de protection d'Hélan, et grâce à la primature de la gérance de Mme Michel à lui, qui donne nous 600 000 gouttes, on peut commencer les travaux de protection de l'Ajla. Ministre de l'Agriculture, qui donne 100 000 euros, 100 000 gouttes, et travaux, ça c'est des travaux qui coûtent cher, et il est allé sur une longueur à peu près de 2 km, à peu près 50% fait la belle déjà. Et respirer là, le plus dangereux, c'est la ville là, il y a même demandé le pouvoir central pour intervenir de concert avec la mairie de Chambellan pour nous trouver une solution aussi rapide pour que la vie monte en danger. Parce que, au même Chambellan, nous sommes comme une décapitalisée en match. Déjà, je dis là, le pape Cabrin, on le parle encore, pas glissement de terrain, pour Kaïmounio aller. Maintenant, il s'aille, et bien, Mouni Kaïo, qui s'ouvre la rivière, il devait recevoir passer avant hier soir, à peu près une à Kaïmoué, peut-être que ce mec qui commence à faire là, et bien, nous lançons SOS là, pour voir Sandala intervenu. Comme un ancien magistrat communal, est-ce que vous identifiez combien de Kaï qui menaçait par rapport avec danger, ça, qui pendait juste à tout? Oui, exactement là, il y a à peu près une dizaine de maisons, et magistrat actuel là, Mandé, Mouni Kaïo, pour occuper Kaïo, pour affirmer d'autres maisons priorité en attendant le travail, ça a recommencé. Et pour que nous recommençons, mais c'est que, et je crois que le magistrat n'a pas de complément pour ça. C'est le pouvoir central qui peut intervenir, parce que le danger est imminent, et il faut que nous fassions aussi rapide, sur le salon, c'est de la protection belge, ça continue. Mon impératif, je dis à la saison pluvieuse, et tant que je ne vais pas avancer, vers le mois de mai, à bien plus la pluie, et demander, je dis à, et son travail, qui a coûté petit corps présentement, et demander pour intervenir, et intervention, ça va faire avec rapidité pour que la ville soit protégée. Ancien magistrat Chambellan Vidal Chevalier dans micro Vladimir Maurice Ridoré. Scandale dans le pays Hollande
et un docteur qui était responsable yon centre nan pays centre pour aider monde qui gen problème fertilité ou qui gon banque de sperme la donne et ça monsieur fait yo té le docteur ça Jean Carbat monsieur amusel au lieu li prend sperme donneur yo eh bien monsieur prend propre sperme pâle li fait goder dans in vitro et bilan journée jodi a yo découvri et capable gen plus monsieur gen 49 ti moun ki se petite li amusel fait ça mais là yo té wè ti moun yo pas de semblé ak donneur ki té bay sperme pou yo et en pile là-dedans yo, et puis ouais en pile yo semblé à docteur famille ont commencé à inquiéter et ont porté plainte la justice ça pas jamais accepté pour l'idée à passer test ADN mais c'est mouri monsieur vinn mouri dans mois d'avril qui s'est passé l'année passée et madame ni dé refusé tout pour collaborer là j'ai pu entrer la caille pour saisir de éléments qui ca permettre yo mener analyse tant que bois ça donne Bostetli de bay et puis yo découvre un premier groupe 19 timoun c'est petit li en après la justice ordonné pour élargir enquête là et al passer test ADN et puis journée jodi yo découvre 49 timoun qui c'est petit monsieur capable gen même plus parce qu'avant le mouri li déclaré li gen 60 petites c'est ça yo dit mais et l'autre et problème qui gagne monsieur pas seulement des autres ça il te fait il te fait des ordres tout dans administration l'hôpital il t'a dirigé côté était obligé fermer l'hôpital plusieurs monde et qui dit on fait partie de ça les bases PHTK mais présenté tête comme victime dans commune Kafou venir radio Kiskeya pour faire déclaration menacé pour bloquer 4 départements route Kafou amené dans 4 départements et demi et si et Jovenel Moïse qui c'est président yo pas répondre à diverses revendications d'après ça yo fait connait dans 4 batailles yo dit yo te bénin pour te mettre sous pouvoir n'attendé coordonnateur Bazdan qui c'est Original Vital avec secrétaire en après qui c'est Wilna Pochette qui te parlé comme ça dans Mikoun normalement je dis ça c'est pas le fait que et nos batailles avec et gouvernement qui c'est et président Jovenel Moïse côté que nous-mêmes nous manquons mourir et quoi des bouquets côté que bandi envahi nous avec roche bouteille et puis cartouche d'une façon que nous-mêmes pour nous être capable château obligé laisser toute bagaille voler toute bagaille nous t'ai parlé avec et président j'ai une chance pour me parler ensemble avec lui pour me passer et on dit parole bois oreille pour me faire connaître que nous-mêmes nous gain problème de route charpentier et route rivière frade côté que c'est poussière qui bat nous en dans commune président de la République là-bas nous deux ministres en dans commune là qui pas utile nous en rien nous besoin qu'on ait que qui ça que l'a fait ensemble avec nous et ceci si que il pas prendre responsabilité yo là maintenant n'a obligé passer à l'action n'a bloqué 4 départements qui pour venir en dans capitale là il suffit que yo décider pour yo faire et ça que nous te demandé pour te faire yo et ben finalement n'a pas décision pour nous continuer ensemble avec gouvernement mais normalement il n'a demandé yo même pour yo prendre responsabilité yo pour yo connaître que nous-mêmes nous te travail et ceci nous système ça nous voulait que il fini en dans pays là pour y pas travail pour ba choix là nous voulait que système ça il fini ça me ka di gouvernement konnen li te bezwen nou les campagnes là li pa ka fè campagne là pou kontre li en fois que le fè campagne là li lagé nou ça veut dire li fini li fè men jè sou nou pa rien ça konn li an a parlé avec la pou voye rele nou si pa voye rele nou li konnen ka fou son seul entrée son seul sorti la bloqué 4 départements et li konn ça li pa le fè nou même nou konnen nou base victime PHTK nou te travail pou li supposé rele nou pou le joindre avec nou li pa ka lagé nou comme ça. Voilà, c'est base PHTK dans Kafou, Original Vital ak Wilna Pochette. Jaurès Gedner qui sorti dans commune Pétionville passé dans radio Kiskeya et nous a pas assisté ça depuis quelque temps pour demander tout le monde de bonne volonté ridel pour capable faire enterrement petite fille qui mourit en bas une maladie l'estomac d'après ça le dit. Un grand petit moi qui mourit l'hôpital Saint-Camille et les bêtises Gedner. Il était malade, il a l'estomac fait mal. On a dit après 15 jours la mort, on bat un moyen pour faire des mal. Après de tous côtés, on bat comme on bat un équipe monde qui se secoue. Ça fait venir une radio là. Mon gars en bonne volonté, mon gars en famille, connaissant père des familles et tout.
si vous avez aidé, vous avez eu capable de volonté. Il a bon moi ça ba ma pile problème parce que moi pile moyen puisque me pas moyen moi j'étais plus moyen pas j'étais parce que nous avait 15 jours en bombe. Est-ce que tu as quitté ton numéro de téléphone? Oui, il m'a quitté le numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone c'est 46 16 18 81. Tu prends encore. J'ai mon téléphone c'est 46 16 18 81. Voilà, c'est Jaurès Guedner. Et puis Rico Casimir lui-même qui sortit la boule 10 accusé un ancien inspecteur police Makeli Aristide et William Joseph, il dit qu'il cherche le tout partout pour capable assassiner et il pas voulait prendre terrain li gagner dans zone là dans sens ça il mandé Jovenel Moïse et penché sous cala d'après ça il dit monde ça qualifié de bandit, il dit habiter bon la caille président. N'attendez Rico Casimir qui te parle comme ça. C'est concernant le terrain de Mon Calvaire sous la boule 10. Makeli Aristide, qui était inspecteur de la police, capture les gens, tue les gens, avec William Joseph, c'est un bon tueur, et il a cherché pour le tuer. Et pendant que je dis ça, je suis obligé de ne pas dormir la caille parce que Makeli Aristide avec William Joseph. Ça. Vous voyez garder la caille, vous voyez chimé vin la caille, peut-être terrain, vous voyez mandat parquet par eux, vous ne pas présenté. Et vous cherchez à faire un mandat d'arrestation sous forme à un mandat d'arrestation pour côté aujourd'hui pour vous assassiner. Je demande surtout avec le président Jovenel Moïse. Vous bandit à Messaïo, vous êtes bon la caille au PLR5. Makeli ça a un bureau, mafia. Tout près la caille au PLR5, président Jovenel. Mando, s'il vous plaît, branchez sous casa pour moi. Makeli Aristide, ça, chaque soir, il vient me tirer sous terrain. La bonne pression, et il a cherché pour le tuer. Voilà, citoyen, ça qui sorti dans la boule 10, Rico Casimir. Et puis, on a fini avec une délégation qui a plusieurs mondes, qui a un contrat avec l'État dans le centre d'accueil Kafoua. Il y a accusé administrateur Santlan Usman Azenor. Dès que l'affaire ministre affaires sociales là pas renouveler contrat yo une façon pour mettre moun pal dans son plan Jean-Sony Antoine ak Marie Yolande Charles qui t'ai parlé dans nom délégation ça mandé ministre affaires sociales là madame Marie Élise Brisson-Gérin prend responsabilité dans situation ça n'attendé yo Jean-Sony Antoine ak Marie Yolande Charles. N'a pas nous même qui là moi qui parle voilà là j'ai 13 ans là il m'a pris dans d'accueil. Et puis, il y a un phasa, quoi de nous, c'est un instant-là. Je vais vous dire, nous avons un bon travail. Nous avons une équipe, nous avons fait des ordres dans ce plan-là. Vous pouvez le penser bien, nous avons tout ça dans ce plan-là, nous avons pile misère et nous avons une chance de nommer. Est-ce que nous avons travail, nous avons bouqué. Et dans ce plan-là, même si ça a fait des ordres dans lui-même, ça veut dire que lui-même, posez-nous une question de ce plan-là par contre. C'est moi qui viens de me dire que nous avons une équipe, nous avons un travail. Elle a dit que nous avons un bon travail. On va dire que M. fait toutes les autres dans ce plan-là. Il y a une demande de deuxième, il y a une deuxième sur tout le monde qui travaille. Passez-vous bien. Pour tout le monde qui travaille, il y a une demande. Il y a trois professeurs seulement. Trois professeurs qui viennent travailler. Et ça, le diminuissant. Et on appelle l'équipe, il n'y a pas qu'à trois professeurs qui viennent travailler dans l'institution. Mais qui soit le diminuissant, en fait. Ma diminuissant avec social lui-même. Je parle de son maman, de son fils. Il y a des familles qui sont petites. Pour qu'il ne prenne pas de douleur, pour qu'il ne prenne pas de peine. Depuis 2008, je travaille dans le centre d'accueil. J'ai 11 ans. Et que nous-mêmes qui toujours prenons soin de nous, nous avons des gens qui ont des problèmes de gale, des conseils de maladie, et nous-mêmes qui toujours là, nous traitons. Ça veut dire que moi-même, je ne peux pas accepter ça. Et pour nous, 11 ans de travail, pour ce qu'on a jugé non pas bon, pour nous prendre nouveau monde, nous mettre dans place, nous, moi-même, pas accepter ça. Mais le ministre des Affaires sociales, le message que nous avons envoyé, c'est pour nous contrat parce que moi-même, je suis ancien, étant que infirmière dans le centre d'accueil, je n'ai pas décidé de perdre du contrat, je décide de rejoindre contre lui. Et le message, ça me lance, ben, le ministre pour prendre responsabilité envers nous. C'est Jean-Sony Antoine avec Marie Yolande Charles, Montaïo, qui a eu un contrat depuis plusieurs années dans le centre d'accueil Kafou, qui accusait l'administrateur centre d'accueil là, qui a retiré le contrat avec l'autre monde qui a parlé comme ça, non, micro nous.
Et puis, Conseil de sécurité des Nations Unies a voté une résolution concernant Haïti. 15 octobre 2019, mini-juste pour aller. Tout, résolution ça 2466. Il a constaté la police renforcée. Il y a plus capacité pour le capable anticiper et faire gestion tout zak criminel et sécurité. Selon justification et qui baille dans le Conseil de sécurité pour prendre décision pour retirer mini-juste. Mais Haïti a pile défi et ses responsabilités gouvernement pour porter solution. Conseil de sécurité a accepté recommandation secrétaire général là pour créer une mission politique qui sont à remplacer mini-juste, non? Une mission politique spéciale pour Haïti en bas chapitre 6, non? Qui a gagné pour nous retourner, bien entendu, avec plus de détails concernant la résolution ça qui vote jeudi dans le Conseil de sécurité des Nations Unies concernant Haïti. Nous sommes Jovenel Moïse, demandé et Nations Unies pour te créer et mission sa mission politique spéciale pour encadrer Haïti. Et puis juste avant d'aller Nabdou dans pays Soudan, chef conseil militaire transition annoncé de démissionner, c'est Awad Ben Aouf. Et puis d'apprendre tout les gonnè qui t'essayer immoler tête li devant Maison Blanche jeudi. Daniel John et prénom Daniel John, non c'est François. Et il perdu qui perdu passeport à Claude papier pour te pouli dans radio Kiskeya. N'importe monde qui connaît Daniel John et François Dili papier perdu yo dans radio Kiskeya là dans passeport. Cela nous camper rester sur radio Kiskeya pour ce programme non tout de suite avec Tara qui va présenter nos émissions Voices et puis après ça Dantan présent avec docteur Debussy Damier et puis après ça c'est professeur Antoine Augustin avec Ideal Tropique. Bonne soirée sur Radio Kiskeya. Olapalais.com. Olapalais.com. Olapalais.com.